دكتور كريم معنا؟ دكتور كريم هل تسمعنا؟ بونجور، بونجور، هل تسمعنا؟ صباح الخير، أسمعكم جيدا، شكرا لكم على الانتظار وعفوا. عفوا، مش مشكلة. في الحقيقة أود أن ألقي كلمة النيابة عن الأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي. بادئ ذي بدء، يجب أن نشكر السادة أعضاء اللجنة التنظيمية والسادة أعضاء اللجنة العلمية، ونشكر بصفة خاصة في هذا المؤتمر، مؤتمر اللقاء بين الهوية والابتكار، كابح مفجر للإبداع. La rencontre entre l'identité et l'innovation, un frein explosif de la créativité. نشكر جامعة جندوبة، المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا في التصميم، Université de Jendouba, École supérieure des sciences et technologies du design, والمعهد العالي للفنون والمهن بجابس، Institut supérieur des arts et métiers de جابس. ونشكر مدراء هذه المؤسسات في شخص الدكتورة مجدة عاشور، عفوا، في شخص الدكتورة سلمى قطاطة والدكتور صادق الطويل الذي استمعت كلمته قبل قليل. وأعتبر أن مؤتمرنا لهذا اليوم هو مؤتمر علمي يضم العديد من المساهمات على مستوى العالم العربي، وسيمكن الجميع من التواصل ومن تقديم أفكار ونماذج يتم الاستفادة منها سواء بين المشاركين أو على مستوى المتابعين في وطننا العربي الذين يتابعوننا عبر صفحة المركز الديمقراطي العربي على الفيسبوك. المركز الديمقراطي العربي يشكر كل الذين شاركوا في إطار فعاليات هذا المؤتمر، كل الذين قدموا أوراق علمية في إطار الكتاب الذي صدر ويضم خيرة المشاركات العلمية المحكمة. نذكر أن إصدار هذا الكتاب جاء كثمرة مباركة وجيدة لعمل دؤوب قامت به اللجنة العلمية وأيضا المشاركين من مختلف الجنسيات والذين أغنوا هذا المؤتمر بهذه الورقات، وبالتالي سوف يكون لنا حظ كبير وسعادة غامرة في متابعة هذه الأوراق. Pour nos amis qui nous écoutent en Europe et qui participent dans ce colloque international sur la rencontre entre l'identité et l'innovation, je vous remercie tous et je remercie vos participations et vos efforts consentis afin de donner des papiers scientifiques publiés dans un livre que nous avons eu le plaisir de voir et de partager gracieusement avec les chercheurs du monde arabe et du monde entier sur le site du Centre démocratique arabe et aussi les sites web des centres partenaires avec nous dans cet événement. Vous avez raison d'avoir chaud parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a la vague de chaleur qui va s'abattre sur une grande partie du monde arabe et de l'Europe. Ça entre aussi dans la question de l'identité et l'innovation, parce qu'on a besoin d'innovation pour sauvegarder l'environnement et pour présenter des solutions capables de conduire l'humanité vers la préservation du climat et d'éviter le changement climatique nocif à notre existence humaine. Dire
Un frein explosif, c'est aussi dire la motivation, c'est dire l'innovation, c'est dire aussi les solutions capables de changer le monde de demain. Le Centre démocratique arabe est heureux d'être parmi vous et avec vous dans cette activité-là et dans les activités futures. Nous espérons que notre partenariat soit bénéfique pour l'ensemble des chercheurs et que tout le monde s'y trouve et que tout le monde a sa place. Et nous souhaitons tous la bienvenue à l'ensemble des participants en votre présence et en votre nom. Je remercie aussi Madame Majda Achour qui a consenti un effort considérable pour l'organisation et la coordination de l'ensemble des éléments de ce colloque. Je remercie aussi la directrice du colloque, Madame Asma Mnei, et bien sûr, Junoud Al-Khafa, les gens de l'ombre qui n'ont épargné aucun effort afin que nous puissions nous rencontrer dans le cadre du rencontre. Merci beaucoup. Merci. Shukran lakum jazil. شكرا دكتور كريم، شكرا على هذه الكلمات. نرحب بكم، نرحب بضيوفنا sur la plateforme Zoom، ضيوفنا الذي التحقوا بنا الآن en présentiel. Sans plus tarder, on va passer à la session keynote speaker, la session que je vais modérer, que j'ai l'honneur de modérer. Nous allons donc passer au premier keynote speaker, Madame Salma Qtataqtari, la directrice de notre chère école, qui va nous parler aujourd'hui de la conception numérique et la complexité de l'identité, défis et opportunités. Madame Salma, est-ce que vous êtes prête? Voilà. On va partager l'écran, s'il vous plaît, juste une seconde. Merci. Alors, merci Asma. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une réflexion autour du design numérique et complexité identitaire, défis et opportunités. Bon, avant de commencer, je voudrais remercier et saluer notre invité aussi, Dominique Siama, qui est parmi nous. Et donc, avant de commencer, donc, je reprends. Alors, si vous pouvez activer le son au niveau d'admin Identity and Innovation. Merci. Est-ce que c'est bon? Il y a l'écho derrière. Si vous pouvez désactiver le haut-parleur de l'ordinateur et laisser le micro. Merci. Est-ce que c'est bon comme ça, le son? Oui, excellent. Oui. Okay. Est-ce que vous entendez docteur Salma comme ça? Non, non, non. Alors, Malheureusement. bonjour, vous m'entendez, c'est bon? Excellent, excellent, merci. Très bien. Alors, aujourd'hui, je voudrais porter une réflexion sur le design numérique et complexité identitaire, défis et opportunités. Donc, au fait, à l'ère numérique actuelle, l'expérience utilisateur, on le sait, est devenue un élément crucial de la conception de produits, de services, ainsi de suite. Cependant, la complexité, cette complexité de l'identité, de tout ce qui est utilisateur, pose de nouveaux défis, justement, concepteurs. C'est ce que
je vais voir avec vous aujourd'hui. Et donc, cette présentation, nous allons explorer ce croisement du design numérique et de la complexité identitaire en examinant finalement comment les concepteurs peuvent, d'une certaine manière, repenser cette expérience utilisateur dans un monde de plus en plus interconnecté. Alors, le design numérique, c'est un domaine qui est confronté à divers enjeux liés aux pratiques communes et vous savez très bien qu'il évolue rapidement avec les avancées technologiques et les changements sociétaux, ainsi de suite. Et parmi ces défis, il y a la notion de l'accessibilité qui occupe justement une place centrale, nécessitant que le produit de service numérique, d'une manière générale, soit accessible finalement à un large public, donc soit accessible à tous, indépendamment de toutes les capacités individuelles de chacun d'entre nous en tant qu'utilisateur. Alors, bien sûr, la protection de la vie privée, la confidentialité et tout ça, protéger contre les menaces en ligne, ce sont des choses très importantes. Et en plus, la durabilité, on parle de durabilité environnementale qui est devenue une priorité avec un appel en quelque sorte à réduire l'empreinte de quelques problèmes environnementaux, comme vous l'avez déjà mentionné tout à l'heure. Alors, sur le plan éthique, il est nécessaire aussi de considérer les implications sociales et économiques de la technologie tout en encourageant une utilisation responsable de l'outil numérique, bien entendu. Est-ce que c'est bon, vous m'écoutez? Alors, pour relever ces défis, bien entendu, il doit y avoir une collaboration interdisciplinaire entre designers, développeurs, chercheurs et autres parties prenantes, qui est une collaboration, à mon sens, essentielle. La grande question est finalement de quelle manière les professionnels, les designers, dans ce contexte numérique, peuvent contribuer à façonner un avenir numérique plus durable face aux complexités, tout en adoptant Désolé une pour approche. l'interruption, les slides ne bougent pas sur l'écran de partage. Il y a un problème? Majda Achour, oui, voilà, si vous pouvez suivre le mouvement de la présentation en présentiel, ça sera mieux. Merci. Excellent. La synchronisation, c'est tout. Merci. Alors, la montée justement de la complexité identitaire, quand je cite complexité identitaire, c'est surtout pour décrire la nature multifacette et souvent interconnectée des identités justement individuelles de chacun d'entre nous. En fait, graduellement et au fil des temps, les identités humaines se sont de plus en plus et complexifié, comme on le sait, en raison de divers facteurs tels que la mondialisation, l'immigration, les avancées technologiques, ainsi de suite. Et cette complexité croissante, dans ce contexte, justement, les individus peuvent se retrouver à jongler, en quelque sorte, avec différentes facettes de leur identité en fonction du contexte dans lequel ils évoluent, culturel, social, personnel, ainsi de suite. Alors, cette diversité et cette interconnectivité des identités individuelles, normalement, en quelque sorte, elles doivent enrichir le tissu social et culturel, mais peuvent aussi également poser des défis en termes de compréhension mutuelle et cohésion sociale. Donc, on parle de globalisation et migration. Donc, si on cite la globalisation dans notre intervention, c'est parce que la globalisation, en quelque sorte, a facilité les échanges culturels et les mouvements de population à travers le monde, créant des contextes sociaux où les individus peuvent appartenir, en quelque sorte, à plusieurs cultures ou communautés en même temps. Comme on le sait, par exemple, quelqu'un qui peut être né dans un pays et puis qui grandit dans un autre pays et travaille ailleurs. Donc, est-ce que c'est bon le son? C'est correct jusque-là? Excellent, merci.
Très bien. Alors, et donc, puisque les sociétés contemporaines, justement, se sont de plus en plus diversifiées sur le plan culturel et ethnique, avec une multiplicité de groupes culturels coexistant souvent dans un espace, un même espace géographique. Donc, cette diversité offre aux individus une gamme plus large d'identités possibles à explorer et à revendiquer. Outre la globalisation, on parle aussi de tout ce qui est normes sociales et culturelles qui évoluent et ce qui entraîne des changements dans la manière dont les individus se définissent et interagissent avec leur environnement. Il y a aussi la technologie, les médias sociaux, techniques de l'information, de la communication en particulier, donc, qui ont donné aux individus de nouveaux espaces de partage et d'échange pour explorer leur identité. Et donc, l'intersectionnalité des individus, donc, justement, je reprends le... Désolée, il y a... Alors, les technologies, comme je l'ai dit, donc ça permet un petit peu, par exemple, dans le contexte de plateforme des médias sociaux, pour se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et d'explorer des identités virtuelles et participer à des communautés en ligne basées sur des intérêts communs aussi. Et donc, l'évolution socioculturelle, la technologie des médias sociaux vient aussi apparaître, qui est un terme très important à mon sens à mentionner, qui est l'intersectionnalité des identités. En fait, les individus peuvent appartenir à plusieurs groupes sociaux et identitaires en même temps, tels que le genre, la classe sociale, l'orientation, ainsi de suite, sexuelle, ainsi de suite, ce qui crée des expériences et perspectives uniques pour chacun d'entre eux et contribue à une plus grande complexité de leur identité globale. Donc finalement, la complexité résulte en quelque sorte, d'une certaine manière, de cette diversité, de cette interconnexion des individus, des identités de ces individus dans un monde en constante évolution. Donc cette complexité, à mon sens, pose des défis, mais offre également des opportunités pour une compréhension plus nuancée de la diversité humaine. Alors, le design dans son ensemble est confronté à la complexité identitaire de différentes manières et cherche à y répondre de manière adaptative. Plusieurs approches, justement, sont à prendre en considération. La recherche utilisateur approfondie, donc, notamment cette conception centrée humain, la personnalisation et adaptabilité et la sensibilisation aux biais et stéréotypes. Donc, si on parle de recherche utilisateur approfondie, en quelque sorte, les concepteurs mènent des recherches très, très approfondies sur les utilisateurs, bien sûr, comme on le sait, afin de comprendre cette diversité, ses besoins, ses préférences individuelles. Et cela peut justement être sous forme d'entretien, d'observation, d'études, ainsi de suite, pour recueillir des insights sur les différentes facettes de l'identité. Donc, le design centré sur cet utilisateur, il met l'accent sur la création de produits ou de services qui répondent aux besoins et aux préférences des utilisateurs, quelle que soit leur identité. Donc, finalement, et quand on cite la personnalisation adaptabilité, en fait, les produits, comme on le sait, les services numériques peuvent être conçus pour être personnalisés et adaptables, c'est-à-dire afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs ayant des identités multiples et diverses. Donc, cela peut inclure des options de personnalisation de l'interface utilisateur, par exemple, des paramètres de flexibilité, de fonctionnalité, de gestion de l'identité, ainsi de suite. Quant à la sensibilisation aux biais ou stéréotypes, qui est pour moi un point très, très important et qu'on va développer par la suite, en fait, les concepteurs
sont de plus en plus conscients de ces biais stéréotypes qui peuvent influencer leur travail et cherchent en quelque sorte ce que nous essayons de faire, nous, en termes de designers déjà, puisque je suis un petit peu dans le monde professionnel, aller éviter ces biais et stéréotypes dans la conception. Cela peut inclure donc une sensibilisation, des formations de la diversité et des mécanismes de vérification pour détecter et corriger les biais dans les produits finaux. En intégrant ces approches de personnalisation, adaptabilité, la sensibilisation, les concepteurs ambitionnent de quelque sorte à créer des expériences numériques qui reconnaissent et valorisent ces diversités. Cela permet de répondre aux besoins d'une société de plus en plus diversifiée. La grande question, peut-on forcer l'identité en quelque sorte à devenir un maillon de créativité et non une contrainte? En fait, le design pourrait agir de manière différente pour répondre à la complexité et transformer l'identité en catalyseur de créativité, plusieurs qu'une contrainte. À mon sens, on peut détecter plusieurs pistes à... M'excuser, parce que j'ai un problème. Déjà, je peux... Voilà, je reprends. Alors, notamment la co-création avec les utilisateurs. Donc, ça peut être une piste qui implique les utilisateurs dans le processus justement de conception pour permettre à mieux comprendre leur identité et leurs besoins. La co-création peut conduire à des solutions, en quelque sorte, plus inclusives, et ça, c'est un terme sur lequel on va rebondir, qui tiennent compte de cette diversité. La flexibilité et personnalisation aussi, donc, puisque les produits et services numériques doivent être conçus avec une flexibilité qui permet justement aux utilisateurs, d'une manière générale, de personnaliser leur expérience en fonction de leur identité propre et leurs préférences. Donc, il faut finalement, en quelque sorte, célébrer cette diversité. De quelle manière? Donc, plutôt que voir cette diversité des identités comme un obstacle, les designers doivent essayer de l'embrasser comme une sorte d'inspiration, en reconnaissant et en célébrant cette recherche des expériences et perspectives sociales et individuelles. Les designers peuvent, dans cette diversité, créer des solutions probablement innovantes et qui répondent à un besoin beaucoup plus élargi. Et il faut aussi adopter cette approche de compréhension. Quand on parle de compréhension, il faut que la conception se base sur une compréhension profonde des identités, des expériences. Donc, et les designers peuvent concevoir des produits qui sont véritablement adaptés à des besoins uniques, ce qui implique les utilisateurs dans le process de conception, de recueillir leur feedback et de les intégrer dans le développement de solutions. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut remettre en question aussi les stéréotypes dans toutes ces approches. C'est les designers, en fait, qui ont le pouvoir de remettre en question ces biais, ces stéréotypes, sont véhiculés à travers des produits numériques et en évitant justement ces représentations essentialistes des identités. Donc, justement, ces pistes que je viens d'évoquer, en quelque sorte, me semblent des pistes à explorer pour les designers. Afin de pouvoir transformer l'identité en un maillon qui force l'innovation, en exploitant la diversité des expériences et des perspectives pour inspirer des solutions innovantes et inclusives. En reconnaissant et en célébrant la complexité des identités humaines, le design peut jouer un rôle crucial dans la création d'un monde où chacun, finalement, soit reconnu, valorisé, inclus. Donc, c'est un défi pour les concepteurs. Les concepteurs sont finalement confrontés à plusieurs défis lorsqu'ils tentent de créer des expériences numériques qui prennent en compte toute cette complexité.
En effet, on sait très bien que les utilisateurs attendent des expériences numériques personnalisées d'une certaine manière, qui reflètent leur identité et leurs préférences uniques. Et c'est ça le défi. Donc, le concepteur doit trouver des moyens pour personnaliser les interfaces tout en évitant les stéréotypes et biais. Et c'est dans ce sens-là que se résume tout le défi. Aussi, comme on l'a mentionné, l'accessibilité, c'est très, très important. Elle est aussi au cœur de ce défi. Et plusieurs études, justement, je veux m'arrêter un petit peu. Alors, plusieurs études ont fait appel à l'inclusivité. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais m'arrêter un petit peu sur cette notion. Dans la mesure où les produits numériques doivent être conçus de manière à inclure et à représenter la diversité des utilisateurs. Donc là, on parle d'inclusivité plus qu'inclusion. Cela peut nécessiter une collaboration étroite avec des groupes justement marginalisés, avec des minorités, et la prise en compte de leurs besoins spécifiques. Donc les concepteurs, cette conception inclusive, comme je l'ai dit, c'est une manière d'intégrer la diversité dans toutes les étapes de processus de conception, depuis la conception initiale jusqu'au test et la libération, et pardon, à l'itération. Alors là, ce que vous voyez un petit peu dans ce slide, ce que j'ai essayé un petit peu de montrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les obstacles à surmonter. Donc, le biais culturel et personnel. Les concepteurs peuvent être influencés par leur propre identité culturelle, sociale et personnelle, justement, ce qui peut les amener à concevoir des produits qui ne répondent pas forcément aux besoins et aux préférences des utilisateurs. Donc, la manque de diversité, justement, dans les équipes de conception aussi, ça peut être un obstacle. Donc, lorsque les équipes de conception manquent de diversité en termes d'identité culturelle, parfois ethnique, de genre, ainsi de suite, elles peuvent avoir, justement, du mal à prendre en compte la perspective et l'expérience des utilisateurs issus de différentes communautés. Il y a aussi les barrières linguistiques et aussi la résistance au changement. Donc, pour surmonter justement ces obstacles et favoriser l'innovation en design numérique, il est essentiel que les concepteurs adoptent une approche qui prend en compte la divergence des expériences. Cela peut impliquer l'intégration de la dissimilitude dans les équipes de conception, la réalisation de recherches approfondies pour réellement saisir les préférences de diverses communautés. Comme on l'a dit, la sensibilisation aux biais et des stéréotypes dans la conception de ces produits. Donc, il y a dans ce sens-là, je veux m'attarder justement sur l'identité relation, qui pour moi est un point très très important, qui peut être justement exploré pour ces défis et opportunités de l'identité, de cette complexité identitaire dans la conception numérique. En fait, lorsqu'on parle de l'idée de la relation, justement, et l'intégrer dans cette intersection entre la complexité identitaire et le design numérique, on parle de la diversité des relations dans un monde interconnecté, comme on le sait. Et dans un contexte numérique, les individus, justement, entretiennent une multitude de relations avec d'autres personnes, communautés et entités en ligne, comme vous le savez. Ces relations peuvent être influencées par leur identité culturelle, sociale, ethnique, de genre, etc. Et donc, la conception de produits numériques doit tenir compte de cette diversité de relations pour offrir des expériences inclusives et pertinentes. Donc, à mon sens, donc cet impact des relations sur l'identité numérique. Les interactions avec d'autres utilisateurs, notamment les communautés en ligne aussi, les plateformes numériques, façonnent la manière dont les individus justement se perçoivent et sont perçus par les autres. Donc, les concepteurs doivent être conscients de l'impact de ces relations sur l'identité numérique des utilisateurs.
hors de la conception de produits. Alors, il faut aussi créer des espaces relationnels inclusifs pour faciliter, bien sûr, et enrichir les relations entre les individus en offrant des espaces où finalement les utilisateurs peuvent se connecter, interagir et partager leur importance. Il y a aussi la gestion de conflits et de tensions relationnelles. Les interactions en ligne, par exemple, parfois sont marquées par des conflits et des tensions entre les utilisateurs en raison de différentes opinions, de valeurs, identité, ainsi de suite. Donc, en intégrant la notion de relation dans cette intersection entre la complexité identitaire et l'usage numérique, les concepteurs sont en mesure de réfléchir à des produits qui favorisent des relations significatives entre les individus et tenir compte de leur diversité, justement. Alors, je voudrais justement, par rapport à ce que je viens de mentionner, il y a eu beaucoup d'études qui ont fait sur cette complexité identitaire et conception numérique. Je voudrais citer quelques-uns. Alors, Sarah Watcher, qui a l'auteur du livre Technically Wrong, qui a examiné comment justement les identités culturelles et sociales influencent la conception des produits numériques et comment les concepteurs aussi peuvent remédier aux préjugés et aux biais. Il y a John Maida, en tant que designer et technologue, qui a abordé la question de l'identité dans le design numérique à travers ses travaux sur l'intersection de la technologie et des arts libéraux. Donc plusieurs, je cite aussi Caroline Sinder, cette chercheuse en design, explore les questions d'identité, d'éthique et de technologie à travers ses travaux sur la modération de contenu en ligne et la conception de systèmes conversationnels. Alors, tous ces designers et penseurs, parmi d'autres, bien sûr, ont contribué à enrichir la conversation sur cette interaction entre la complexité identitaire et le design numérique en mettant en lumière les défis et opportunités liés à cette intersection, bien sûr, en proposant des pistes peut-être pour une conception plus inclusive. Alors, lorsqu'on parle de l'inclusion, l'inclusivité et alors là, plutôt l'inclusion là, est le principe selon lequel chaque individu, quelle que soit son identité ou son apparence, doit être reconnu, valorisé, respecté dans tous les aspects de la société. Alors, cela signifie créer des environnements, des processus et des produits qui prennent en compte la diversité et l'équité. Dans le contexte de la conception, justement, développer le concept d'inclusivité signifie intégrer activement la diversité de l'équipe dans toutes les étapes de processus de conception, de la recherche initiale, de la livraison jusqu'au produit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, regard épistémologique, donc de point de vue épistémologique, justement, lorsqu'on parle du concept inclusivité, implique une réflexion sur la nature du savoir, de la connaissance dans le domaine du design. Donc, on parle de pluralité de connaissances, donc reconnaître la connaissance dans le domaine du design est plurielle et diverse, résultant de la contribution de diverses perspectives, expériences et modes de savoir. Notamment la construction sociale de la réalité aussi, ce qui implique, bien entendu, la compréhension d'une certaine manière des normes, les valeurs et les représentations dans la conception, sont socialement construites et influencées par des facteurs culturels, historiques, sociaux, politiques, ainsi de suite. En reconnaissant cette construction sociale, justement, les concepteurs peuvent remettre en question les normes et les stéréotypes qu'on a déjà cités tout à l'heure. La prise en compte du contexte, ce qui signifie reconnaître que la connaissance et la compréhension sont ancrées dans des contextes spécifiques, finalement, et peuvent varier en fonction de tout ce qui est normes culturelles, des communautés aussi, en tenant compte de tous ces contextes économiques, socioculturels, politiques dans lesquels les produits sont utilisés, les concepteurs peuvent créer des solutions beaucoup plus adaptées, beaucoup plus adaptables et pertinentes pour des utilisateurs divers. Il y a aussi le dialogue interdisciplinaire et notamment la critique et réflexivité.
Il faut justement encourager une approche critique et réflexive dans la pratique du design en remettant en question les présupposés, les normes implicites qui sous-entendent des processus de conception. En reconnaissant les limites et les biais de leurs propres perspectives, les concepteurs peuvent ouvrir de nouveaux espaces pour l'exploration et justement, comme on l'a dit, l'innovation dans cette conception inclusive. Donc, le principe de l'inclusivité constitue une avancée fondamentale. En adoptant cette approche, les concepteurs reconnaissent la diversité des utilisateurs, s'efforcent de créer des expériences numériques accessibles indépendamment de leurs capacités, de leurs origines. Alors, comme on l'a dit déjà sur le plan épistémologique, cette approche remet en question les conceptions traditionnelles du design pour rendre le champ plus élargi. Avec des applications pour inclure des populations souvent, comme on l'a déjà mentionné, marginalisées et négligées. Elle reconnaît que la conception finalement numérique ne peut être véritablement efficace que si elle prend en compte la complexité de la diversité. Donc, ce principe ouvre, pardon, de nouvelles perspectives sur la nature même du design. En tant que discipline, il met en lumière le rôle crucial du design dans la création et la conception d'un monde plus équitable et plus juste en transformant les technologies numériques ou comme des outils qui favorisent justement l'inclusivité et l'inclusion et la diversité sociale, culturelle. En effet, l'intégration de ce qu'on vient de mentionner depuis tout à l'heure, la complexité identitaire dans la conception numérique, on reconnaît que les utilisateurs sont finalement des êtres multidimensionnels, influencés par des facteurs tels que la race, le genre, l'âge et bien d'autres qu'on vient de citer. En comprenant justement ces nuances, les concepteurs peuvent créer des expériences plus inclusives qui reflètent la diversité. Ce principe dans la conception design numérique représente non seulement une évolution significative, mais également une avancée épistémologique majeure qui remet en question et enrichit notre compréhension de la manière dont les technologies numériques et la conception peuvent servir le bien-être et l'ensemble de la société et de ses tissus relationnels. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à vous, Madame Salma, pour cette présentation très riche et très contemporaine, d'ailleurs, qui pose une problématique des plus contemporaines pour nous designers, surtout dans cette ère du numérique, dans cette ère de digitalisation, à considérer les défis, à considérer l'inclusion et qu'est-ce que ça peut donner comme influence sur le processus de design, sur le processus de création et surtout pour une meilleure expérience utilisateur, surtout pour les produits numériques aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, une seconde. Sans plus tarder, on va passer au deuxième intervenant. Monsieur Dominique Siama, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Bonjour, monsieur Dominique. Bonjour, vous Juste. allez voir, voilà, ça y est. Bonjour à toutes et tous. Voilà, on vous voit bien maintenant. La parole est à vous. Donc, Monsieur Dominique Siama est le directeur de l'école de design Cergy Université de Paris. Il va nous parler aujourd'hui du péché originel, le péché d'identité. Donc, vous disposez de 20 minutes. Allez-y, si vous souhaitez partager votre écran, la C'est ce parole que est je à vais vous. faire. C'est ce que je vais faire. Alors, alors où suis-je? Et est-ce que vous voyez bien là? Oui, c'est bon. Très très bien. Écoutez,
Alors, avant tout, je voudrais évidemment vous remercier, hein, pour l'organisation de ce colloque, pour m'y avoir invité, évidemment. Je remercie et en particulier la présidente du colloque, le docteur Mejda Achour, pour cette organisation. Ça n'a pas été simple de faire tout ça. La directrice du colloque, Asma Manaï, évidemment, aussi, les partenaires. Et un mot particulier pour le docteur Salma Tata, qui m'a gentiment nommé tout à l'heure. Je suis très, très heureux de vous retrouver à cette occasion-là et de participer à, je dirais, à cette émulation intellectuelle que vous provoquez ici aujourd'hui. Bien, donc moi, je vais vous parler du péché d'identité. Je vais essayer d'être le moins littéraire possible et le plus clair possible aussi. Alors, laissez-moi simplement accéder à mon contenu. Voilà, très bien. Alors, voilà, identité. Alors, identité, c'est un mot, un concept, une quête, un projet même, hein, qui prend une place grandissante dans le monde, qui a connu une globalisation spectaculaire depuis une trentaine d'années, une globalisation synonyme d'échange, d'hybridation, de développement économique, d'enrichissement pour les uns, de nivellement culturel ou de destruction de traditions ou d'emplois ou d'appauvrissement pour les autres. Une globalisation dont les effets économiques, géopolitiques et climatiques font se déplacer des populations migrantes vers des zones plus prospères et souvent plus démocratiques, zones qui voient cette vague migratoire qui ne fait que commencer comme une mise en danger de leur culture, leurs traditions, de leurs modèles sociaux et politiques. Une globalisation qui n'a pas tenu sa promesse, hein, celle d'une pacification mondiale, par le doux commerce d'un Montesquieu, hein, voilà, qui nous promettait, voilà, le bonheur au travers du commerce, hein, mais qui au contraire a souvent installé par la séparation internationale du travail de nouvelles formes d'asservissement, néocoloniales d'un côté, où les puissances occidentales pouvaient promettre à leur population une forme d'abondance abordable, ou autoritaire de l'autre, où les régimes coercitifs pouvaient en faire la source de leur puissance, qu'elles soient mafieuses ou corrompues comme en Russie, ou étatiques comme en Chine. L'échec d'une globalisation heureuse accomplie est aussi un moment de revitalisation d'un mouvement décolonial, pourtant démarré après la Seconde Guerre mondiale, mais toujours inabouti, tant cette histoire violente ne pouvait être remise, ne pouvait être assumée, consommée et métabolisée par de simples remises de clés, de transfert de pouvoir. Ce sont des institutions, des modalités, des cultures, des paradigmes qui devaient être remis en cause et qui ne l'ont pas été, servant au contraire de fondement à des nations libérées d'un joug pour en subir un autre, similaire en tout point au précédent, mais au profit de pouvoirs locaux. Ce mouvement décolonial s'exprime à nouveau dans les anciennes colonies, mais aussi c'est les anciens colonisateurs ou les intellectuels appuyés par une partie de la jeunesse rééclaire et revisite l'histoire pour juger un présent où les symboles et les hommages d'une culture coloniale sont encore trop manifestes à leurs yeux. Ainsi, qu'il s'agisse de populations des pays occidentaux craignant d'un côté la mise en péril de leur culture ou vilipendant de l'autre leur propre culture comme hégémonique et coercitive, ou qu'il s'agisse des populations des anciennes colonies ou plus généralement le sud global réclamant le respect de leur culture et de leurs traditions, toutes partagent ce projet que l'on pourrait résumer en une phrase, défendre ce que nous sommes. À bien des égards, cette défense est en train de structurer la vie et les projets politiques de la planète. Certains s'en réjouissent, voyant là le ferment de la cohésion sociale et de la fierté nationale retrouvée. D'autres s'en inquiètent en y voyant, par contre, le ferment de l'incommunicabilité, de la violence et de la guerre. Je suis pour ma part de ces derniers. Alors ce mot, ce concept vient aussi structurer, sinon motiver, des chemins de vie individuels. Si ces chemins personnels peuvent s'inscrire souvent dans une recherche collective d'identité culturelle ou nationale, telle qu'évoquée précédemment, ils seraient surtout la manifestation d'une forme de constante anthropologique, cette quête d'identité pouvant largement être considérée comme constitutive de nos vies personnelles. Toutes nos vies durant, que cette quête soit consciente ou inconsciente, nous chercherions à comprendre, à construire, à révéler, à accomplir, à affirmer notre identité. Nos décisions, nos actions, nos projets seraient les manifestations, les recherches et les constructions de notre identité. Cette quête individuelle, identitaire, pourrait se résumer en une phrase, là aussi,
comprendre et manifester ce que je suis. Depuis Freud et plus encore depuis l'avènement des neurosciences, nous savons cependant que l'essentiel de nos actions échappe à notre conscience, ce qui devrait signifier la fin de tout espoir de découvrir et protéger qui nous sommes. Ces deux phrases, défendre ce que nous sommes et comprendre et manifester ce que je suis, voilà, le groupe d'un côté, l'individu de l'autre, dans ces deux phrases, le verbe être trône en majesté. Un verbe imposant, un verbe définitif, un verbe total et même totalitaire, mais aussi un substantif au cœur de la philosophie depuis 2400 ans, cette quête ou la négation de l'être. Alors cette identité, c'est aussi un opérateur mathématique, scientifique, un opérateur connu de tous, symbolisé par le signe égal à l'œuvre dans les équations comme A égale B, qui nous dit que A égale B, que A est identique à B. Ce signe égal, nous l'utilisons largement en dehors des mathématiques, dans nos vies quotidiennes, personnelles et professionnelles, nos vies intimes et spirituelles, dans nos débats, dans nos disputes, dans nos analyses, dans nos passions. Il structure à bien des égards, sinon totalement, notre rapport à soi, aux autres, au monde. S'il est d'une utilité opérationnelle efficace, il est aussi à l'origine de nos errements et des violences que nous infligeons aux autres. Il est le symbole du véritable péché originel, qui n'est pas, comme nous l'enseigne la Genèse, la connaissance du bien et du mal, mais celle de l'utilisation abusive de ce signe égal. Et pour ce faire, je vais, voilà, donc pour moi, le péché originel, c'est le péché d'identité. Donc pour ce faire, je vais invoquer les mannes de Shannon, donc le père de la théorie de la communication, et qui publiait avec Warren Viver en 48 un article fondateur pour les sciences de l'information et la communication, Mathematical Theory of Communication. Et cette théorie est à l'origine des développements des deux industries majeures du XXe siècle, les télécommunications et l'informatique. Et dans cet article, il propose avec succès de mathématiser le processus de communication au travers d'un système, quel que soit par ailleurs les dispositifs techniques utilisés pour ce faire. Le véritable problème que se propose de résoudre la théorie, d'assurer la transmission à 100% d'un message d'un point A à d'un point B, d'un émetteur à un récepteur. Et donc, vous avez le schéma devant les yeux, voilà. Un émetteur a une intention, il code son intention en une séquence de signes. Et ces signes, donc, c'est un message, hein, M1, qui passe dans un canal. Et ce canal, il est éventuellement transformé, hein, en passant par ce canal, en raison d'un certain bruit qui peut rajouter des signes ou en supprimer, et qui le transforme en une séquence M2, que le récepteur décode et pour l'interpréter ensuite. Et donc, un certain nombre de transformations ont lieu pendant ce process, la transformation de l'intention en message, la transformation du message M1 en message M2 du fait du bruit, et l'interprétation du message par le décodage. Dans sa volonté de mathématiser la situation de la communication, Shannon renonce à mathématiser l'intention et l'interprétation, celle-ci étant prise en charge ou programmée par des êtres humains. Il s'intéresse donc essentiellement aux phases de codage, de bruitage, de décodage, qu'il mathématise en proposant des méthodes et des algorithmes grâce auxquels on peut s'assurer de transmettre et surtout reconstituer sans erreur le message initial. Ces opérations ont lieu aussi bien dans la phase de codage que de la transmission et de décodage. C'est à ce prix que l'on peut s'assurer de l'identité, donc de l'égalité du message originel et du message reconstitué M1, M2. Oui, mais voilà, nous ne sommes pas des machines et nous pouvons intégrer des algorithmes pour nous assurer que nos intentions, nos messages sont correctement reçus et interprétés. Nos modalités de communication humaine sont largement basées sur l'assomption de l'identité entre ce que nous voulons dire, notre attention, ce que nous disons, le message envoyé, ce qui est entendu, le message reçu, et ce qui est compris. Et si cette assomption est sans risque ni conséquence pour beaucoup de nos situations de vie quotidienne, elle devient risquée, violente, voire létale, donc mortelle, dans d'autres plus sensibles. Plus l'objet du message est complexe, plus il nous faut éviter de succomber au péché d'identité entre l'intention et le message envoyé, entre le message envoyé et le message reçu, et entre le message reçu et son interprétation. Le schéma devient alors un outil précieux et fondamental. Il aide à expliquer les pièges de la communication qu'il faut éviter, liés aux pièges d'identité, qui sont à l'origine de la plupart des problèmes de communication humaine. En prendre conscience est le début de la véritable sagesse en matière de communication. Mais si l'hypothèse de Shannon est réellement universelle, il est intéressant de vérifier sur des émetteurs et des récepteurs très spéciaux, le monde comme émetteur et nous comme récepteurs. Et dans ces cas-là, il est intéressant de vérifier si et comment ce schéma fonctionne encore, et commençant par cette question philosophique, le monde a-t-il une intention?
question que nous allons laisser de côté parce qu'elle est de nature philosophique ou religieuse. Lorsqu'il s'agit de coder ou décoder, en laissant de côté la question de l'intention et l'interprétation, c'est-à-dire la question du sens, il est évident qu'il s'agit de recevoir des messages du monde et donc de percevoir le monde à travers nos sens. Considérant que tous nos sens fonctionnent structurellement de la même manière, on va s'intéresser à l'un d'entre eux, juste la vue. Voilà. Pour analyser mécaniquement le processus de décodage et de codage du monde. Cette figure présente et illustre la manière dont l'œil, en tant que machine à voir, capte l'image d'une flamme. L'image inversée de l'image est projetée sur la rétine comme sur un écran. La rétine est composée de très petits capteurs, des bâtonnets, des cônes, dont la taille définit la résolution de la rétine, c'est-à-dire sa plus petite partie perceptible de l'image. Tout ce qui est plus petit que ces bâtonnets et cônes rétiniens est littéralement invisible pour l'œil humain, ces capteurs agrégeant des milliards d'informations lumineuses qui reçoivent chacune en une seule information. La conclusion de cette simple analyse est que le monde tel que nos sens le perçoivent est un monde définitivement pixelisé, un monde où l'ordre de grandeur de l'information envoyée est massivement et très significativement plus grand que l'ordre de grandeur de l'information perçue. Le monde tel que nous le voyons n'est donc rien d'autre qu'une simplification drastique du monde en soi. Pour autant, cette simplification drastique évoque ce qui nous est donné à voir et nous propose une image utile et utilisable de ce qui nous est donné à voir, ce que l'on peut appeler un résumé, un abstract en anglais. L'image perçue par notre œil est donc littéralement une abstraction. Notre œil et plus généralement tous nos sens sont des machines à abstraire. Et donc, le monde que nous percevons est une abstraction. Ça, c'est littéralement révolutionnaire, puisqu'on pense plutôt que le monde est très concret dans notre relation à lui. La leçon étrange est la suivante. Ne croyez pas vos sens. Ils mentent par omission en abstrayant constamment. L'identité, encore une fois, est le péché ultime. Identité entre ce que l'on voit et ce qui est vu. Comme dans le schéma général émetteur-récepteur, c'est en assumant cette identité que nous nous exposons au pire problème avec le monde, avec les autres, avec nous-mêmes. La signification profonde de ce constat, que le monde, dans sa totalité, est inaccessible, inconnaissable, perdu à jamais, si nous ne pouvons compter que sur notre corps. Un corps qui est de fait une cruelle prison sensorielle qui filtre structurellement et massivement les informations provenant du monde. Nous évoluons donc dans un monde où nous ne voyons qu'une partie infinitésimale de toute situation, où l'obscurité est la règle et la cécité une faiblesse. Alors, si nous sommes prisonniers de nos sens, comment nous libérer de cette prison? Comment espérer accéder au secret du monde, à son ordre, à ses opportunités, ses dangers? La réponse est simple, en construisant des théories, des représentations du monde. C'est la mission des chercheurs, hein, de construire ces théories, justement. Étymologiquement, le mot théorie, ça vient du mot théa, la vue, et orao, voir, regarder, le grec. Une théorie résulte de l'observation de l'ordre du monde, de sa dynamique, et produit une représentation au sein de laquelle il va être possible de percevoir plus que ce que nos corps nous permettent de percevoir, et surtout d'anticiper et de planifier nos actions. Lorsque nos ancêtres préhistoriques, grâce à l'observation, planifie une chasse en tenant compte de la topographie, de la direction du vent, de la position du soleil, de la végétation, des comportements systématiques des animaux, ils ne font que théoriser, modéliser la réalité et anticiper l'enchaînement des situations en comprenant et en maîtrisant la causalité. Lorsque les inventeurs de l'agriculture ont essayé de planifier toute leur campagne en comprenant les cycles temporels, jour, semaine, mois, année, en observant le soleil, la lune et les étoiles vagabondes que sont les planètes, ils construisaient une théorie globale du monde, une cosmogonie, grâce à laquelle ils pouvaient planifier leurs actions pour le plus grand bien de la communauté. Ces représentations pouvaient être des instruments physiques, comme le site mégalithique de Stonehenge. Quand Isaac Newton crée sa théorie de la gravitation, il offre à l'humanité la capacité de prédire avec une précision incroyable tout mouvement de tout objet dans l'univers, qu'il soit petit comme une pomme ou grand comme une planète, et donc de lire le monde comme un gigantesque mécanisme. La révolution industrielle est née de cette théorie, et la canette de Coca-Cola, comme le module lunaire, le LEM, la plupart des objets humains, grands ou petits, sont basés sur sa théorie. Lorsqu'Einstein, Schrödinger et autres ont créé la mécanique quantique, ils ont offert un modèle sans précédent pour comprendre et utiliser ce qui se passe au-delà de notre compréhension quotidienne, dans l'infiniment petit. Nos vies ont profondément changé grâce aux applications de leur découverte, la dernière, mais non la moindre, étant l'ordinateur sur lequel nous nous appuyons aujourd'hui pour communiquer, apprendre, nous divertir et vivre. En résumé, l'homme était capable de dépasser les limites de son corps, de ses sens, en créant des représentations du monde à l'intérieur desquelles il peut jouer mentalement et anticiper des événements, et plus encore créer des événements, afin d'atteindre des objectifs qu'il se donne,
de se prémunir des dangers du monde. Il peut même, à partir de sa représentation, se construire des outils plus puissants que nos sens pour explorer, mesurer leurs dimensions cachées. La capacité à construire des représentations est donc au cœur de l'humanisation et en a été l'arme ultime pour conquérir la planète et au-delà. Mais les théories ont toujours leurs limites. C'est en les constatant, au travers des instruments de mesure produits grâce à cette même théorie, que l'homme se constitue normalement de nouvelles, plus larges, assumant, les réexprimant, les théories anciennes et en dépassant les limites. On passe ainsi du géocentrisme à l'héliocentrisme en constatant l'impossibilité de décrire le mouvement des planètes dans le ciel, comme on passe de la mécanique newtonienne, la relativité einsteinienne, en constatant la constance de la vitesse de la lumière. Avec cette capacité à représenter le monde, à le théoriser, à utiliser ses représentations, on pourrait penser que l'homme a surmonté la malédiction d'un monde comme abstraction, en s'affranchissant des limites du corps, en dépassant la limite de ses sens, en n'étant plus exposé à aucune limitation de son action et de sa connaissance. C'était malheureusement faux. Si l'homme s'est effectivement libéré de sa prison de ses sens, il a surtout créé une nouvelle et plus vaste prison, et d'autant plus dangereuse qu'il n'en voit pas les murs. Les théories sont des prisons dangereuses dès qu'on les confond avec le monde qu'elles sont censées décrire. Péché d'identité encore, péché d'identité toujours. Les théories sont des outils si merveilleux et si efficaces que nous sommes poussés à identifier le modèle et le monde des phénomènes qu'elles sont censées modéliser, hypnotisés que nous sommes par cette efficacité. Le monde est donc une projection. Nous projetons sur le monde ce que nous savons de lui. Cette projection est une véritable limite à notre intelligence, car elle caractérise, voire elle catégorise toutes les situations pour les adapter à notre vision du monde. Et cela s'exprime, alors évidemment, hein, voilà, la confusion que l'on fait avec le monde, c'est que ça nous pousse à considérer que tous ceux qui... cette propension à confondre les théories du monde et le monde n'est pas simplement un obstacle à l'évolution de notre compréhension, de notre instrumentalisation, elle est à l'origine de rejets, d'intolérance, de coercition, de brutalité, de violence et même de mise à mort. Le péché d'identité entre les modèles et le réel engendre des dogmes, souvent constitutifs de pouvoir ou d'ordres sociaux, qui se sentent mis en danger par quiconque viendrait les contredire. Un texte d'origine divine, par exemple, ne peut dire que le vrai, et quiconque viendrait le mettre en doute ne pourrait être qu'un pécheur, ou au minimum, ou une créature du diable au pire, une créature qui mérite d'être brûlée en place publique à Rome, comme Giordano Bruno, le 17 février 1600, condamné et exécuté pour ses prises de position scientifiques comme théologiques. Notre salut, individuel comme collectif, dans notre rapport personnel au monde, comme dans nos constructions sociales et notre rapport aux autres, ne peut donc venir que de l'acceptation de notre incapacité à saisir la totalité du monde, mais aussi de la nécessité de construire des représentations qui nous permettent de le découvrir, de comprendre chaque fois un peu plus, en actant leurs limites intrinsèques, c'est-à-dire en refusant d'y croire. Ce sont donc nos croyances que nous devons littéralement détruire. Alors, paradoxalement, et dans certaines religions, que l'on peut retrouver, c'est dans certaines religions que l'on peut retrouver ce refus de l'identité, et très exactement dans l'interdiction de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'un idolâtre si ce n'est quelqu'un qui adore l'image de Dieu plutôt que Dieu lui-même? N'y a-t-il rien de plus prétentieux que de vouloir représenter dans une image la totalité divine? À bien des égards, nous sommes des idolâtres qui adorent leurs images du monde plutôt que le monde lui-même. Ben, revenons au design. Revenons au début de notre texte, et plus particulièrement à ce mouvement tectonique partout en cours sur la planète, de retour à l'identité comme refuge, comme salut, comme projet collectif des nations, voire des régions. La seule manière de nous sauver passe-t-elle par l'affirmation et la défense de nos différences et de nos traditions? Et en quoi cela concerne-t-il le design et incidemment le designer? Si oui, doivent-ils contribuer ou y résister? Le design étant la culture du projet, on pourrait penser qu'à ce titre, il puisse naturellement et indifféremment contribuer à des projets identitaires. Je crains, pour ma part, qu'il ne s'agisse là d'une vision simpliste et ultimement dangereuse. Voilà la définition que nous donnons du design dans notre école, hein, contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun. Au XXIe siècle, le design est cette culture partagée, collaborative, pluridisciplinaire, dont les acteurs contribuent à créer les conditions d'expérience de vie réussie pour tous et chacun. Cette définition embarque évidemment l'acception classique du design. Les objets, les espaces, les signes, les interfaces, les services sont les conditions de nos expériences de vie. Mais hégémonique, elle englobe aussi le management, contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussie de tous et chacun des collaborateurs.
comme elle englobe l'action politique, contribuer à créer les conditions d'expérience de vie réussie de tous et chacun des habitants du territoire. Le design est donc fondamentalement politique. Il s'occupe de définir les conditions de notre vivre ensemble. C'est même sa grande responsabilité et elle est universelle. Comment alors réconcilier cette revendication identitaire avec cette mission universelle? En changeant de lexique. Ce ne sont pas nos identités qui sont en péril, ce sont nos projets de vie communs. Ce ne sont pas nos traditions locales qu'il s'agit de protéger, mais nos capacités à conduire nos projets là où nous vivons, localement. Les communautés n'ont pas besoin de se protéger, elles ont besoin de s'autonomiser. Elles n'ont pas besoin de figer leur culture dans du formol, mais de déployer des projets là où leurs membres vivent, d'où qu'ils viennent, pour bien vivre. C'est habiter là, c'est d'habiter là, c'est de débattre là, c'est de décider là, d'agir là dont il s'agit, et pas de protéger une culture idéalisée. Un seul mot réside à lui seul cette approche, c'est le mot de subsidiarité. La subsidiarité, c'est ce principe, une approche politique et sociale, selon laquelle la responsabilité d'une action, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Typiquement, ce qui n'est pas à l'œuvre, et en particulier dans mon beau pays, la France, où la pyramide est la règle, où la verticalité est la règle. Lorsque les situations excèdent les compétences d'une entité donnée, cette compétence est transmise à l'entité de l'action hiérarchique supérieure, et ainsi de suite. Le principe de subsidiarité veille à ne pas déconnecter la prise de décision de ceux qui devront la respecter. C'est en somme la recherche de la sphère d'influence adéquate dans une organisation sociale par laquelle se déploie une action publique. On ne saurait trouver meilleure approche du design pour déployer une démarche subsidiaire ancrée sur le territoire, pour questionner, débattre, observer, problématiser, créer, prototyper, tester des solutions à des enjeux locaux en impliquant toutes les parties prenantes et en s'assurant ainsi d'un consensus d'autant plus solide qu'il est l'œuvre de ces parties prenantes. Les enjeux identitaires disparaissent au profit de nos projets communs et il nous est dans ce cas permis d'espérer d'échapper aux spirales du rejet, de la peur, de la haine. Nous redeviendrons alors les animaux politiques que nous n'aurions jamais dû cesser d'être. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dominique Sciamma, pour cette intervention très riche, très intéressante, surtout cette idée de considérer l'identité comme un péché, le péché originel, ce péché qui nous empêche de décloisonner parfois, de toujours être sous le joug de la majesté de soi. Et comment le design en subit cette majesté, si je peux me permettre. Je vous invite à rester après pour le débat. Donc, j'invite nos invités à faire une petite pause pour essayer de retrouver notre énergie, disons. Donc, 10 minutes et nous reviendrons. Donc, chers invités en ligne, si vous pouvez nous accorder ces 10 minutes de pause, nous vous en serons bien reconnaissants. Merci beaucoup et on se retrouve dans 10 minutes.
Rebonjour. Désolé. Rebonjour. Désolé pour ce retard. On reprend donc notre session keynote speaker. On va passer à notre troisième intervention, le docteur Rim Zayeni Afif. Docteur Rim, vous êtes prête? Donc, juste une seconde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bien? Il est très bien, merci. Merci à vous. Est-ce que l'écran partagé est visible? Oui, il est visible, merci. Très bien, ok. Donc, voilà. Ok, donc, on reprend avec notre intervenant, Dr Rim Zayeni Afif, qui va nous parler aujourd'hui de son intervention en arabe intitulée « Al-Ibtikar Rahin Hasri Libaqa Al-Hawiyya ». Dr Rim, la parole est à vous. Vous avez 20 minutes. Allez-y. صباح الخير. شكرا لجميع الحضور. شكرا لإدارة المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم بإدارة السيدة سلمى قطاطة. وشكرا كثيرا وجزيلا للسيدة ماجدة عاشور في إدارة هذا الملتقى، اللقاء بين الهوية والابتكار، كابح مفجر للإبداع. هذا العمل الذي نعتبره مفخرة للمدرسة ومفخرة لجميع الأساتذة الحاضرين والطلبة والزملاء، لأننا بدأنا خطواتنا نحو تسليم المشعل لأولادنا، يعني طلبتنا. أنا أفتخر أن أكون هنا مشاركة في مشروع علمي وبحثي أسسته وقامت عليه إدارة المدرسة مع السيدة ماجدة عاشور. شكرا جزيلا ماجدة. في بداية الحديث هذه المحاضرة عنوانها الابتكار رهين حصري لبقاء الهوية. موضوع حديثنا اليوم هو الهوية بصفة عامة، والهوية بمعنى أننا نريد أن نتقدم شيئا فشيئا لفهمها في علاقتها بالابتكار في تصميم موضوع التصميم بالأساس. إذن سأبدأ تقديم العمل. إذن هناك ثلاثة محاور. المحور الأول هو تقديم مفهومي للهوية والابتكار واندماجهما في حقل التصميم. المحور الثاني، الابتكار يعزز مفهوم الهوية. ثم المحور الثالث، الابتكار ينفي موضوع الهوية. يعني هنا هي نوعا ما جدلية ما بين الابتكار والهوية، كيف أن الابتكار في درجات منه يتصاعد فيطغى على الهوية أو يتنافى معها، أو في بعض الأحيان هو يظهر جليا. وبدأنا طريق البحث شيئا فشيئا. إذن أول بداية البحث هو مفهوم الهوية. إذن مفهوم الهوية، فلسفة الهوية الشخصية، أننا لكل إنسان هو انتماء. كل واحد منا هو يعود بذاته إلى انتماء، يعني أنه جغرافيا، ديموغرافيا، ثقافيا، جنسانيا، يعني ذكر أم أنثى، إقليميا، سياسيا، نفسيا، وطبقيا. إذن هو ينتقل من محيطه الذاتي الخاص إلى محيط جماعي هو محيط آخر. وبالتالي فإن ليبنز يقول أن نظرنا العقلي ليس سوى انتباهنا لما يجري في داخلنا. يعني بطبيعة الحال نحن لا نفهم مفهوم الهوية ولا نستوعبه إلا عندما ننظر في داخلنا لننظر إلى الآخر كيف يكون وكيف يتجاوب معنا. إذن شيئا فشيئا بدأنا نكتشف أن الهوية عدة أنواع. هناك الهوية الاجتماعية، هي ما نتحدث عنه بالتجربة الشعورية الوجدانية الحسية. هناك الهوية العلمية، يعني أن البعد المعرفي الذي يتطور بقياس التفكير والمعرفة.
هناك الهوية الثقافية بمعنى أن الثابت والمشترك من الميزات والسمات العامة لحضارة أو مجتمع، والهوية الحضارية هي الشعور القومي أو الوطني للإنسان. يعني نستطيع أن نتحدث بالهوية نقول شعب. ما الفرق بين شعب وأمة ومجتمع؟ هناك فروق عدة، لكنها في الأخير كلها هويات. هو تقسمنا في بعض الأحيان هويات ثقافية أو عقائدية أو اجتماعية. يعني الهوية لها عديد الأشكال وعديد أشكال القراءة، وبالتالي فإنها تتنوع، لكننا نتعايش معها في داخلنا ونتعايش معها في علاقتنا مع الآخر. إذن نمر من الهوية إلى مفهوم الابتكار. فلسفة الابتكار الإبداعي، ما معنى فلسفة الابتكار الإبداعي؟ يعني أننا سننتقل من هذه الذات الخاصة بنا التي تحمل سمات الثقافة وسمات الشعور وسمات الوجدان وسمات التجاوز إلى نوع من الحس الإبداعي للتغيير. يعني نحن نرنو إلى تغيير جذري في علاقتنا بالآخر وفي علاقتنا بأنفسنا في حد ذاتنا، ونحن نريد أن نتواصل مع الآخر بشكل متطور. يعني أننا نترك كل ما هو معهود، كل ما هو تشاركي مع الآخر، ونحاول أن نطوره. الابتكار أن ندرك ذواتنا خارج كنهها الأصلي. يقول المبدع رحومة محمد علي، وهو ليبي، يعني من جنسية ليبية، وهو مبدع في التفكير القياسي في علم الاجتماع وفي علم المجتمع الآلي، يقول لعبة قائمة على ثنائية الاستقرار والاستمرار. ما معنى اللعبة قائمة على ثنائية الاستقرار والاستمرار؟ نحن نستقر في ذواتنا في داخل كنهنا في داخل هوياتنا، وفي نفس الوقت نحن نريد أن نتغير أن نستمر، ولكي نستمر يجب أن نتجدد. إذن نوعا ما هو ننتقل من التجاوز، نخرج من الأنا الذاتية إلى الآخر الذي يختلف عنا لكننا نريد أن نتشابه معه في بعض الأحيان. إذن الابتكار هو منطلق سوسيولوجي وثقافي. أولاً يعني أن أبتكر يجب أن أعود كمصمم، وهنا بدأنا نتحدث عن التصميم، إلى تجربة شعورية ووجدانية وحسية. فأنا كمصمم أنا أتعايش مع موضوع التصميم باعتباري مصمم، وفي نفس الوقت أنا إنسان، أنا متقبل لموضوع التصميم. أمد إنساني، يعني أن أفعال الردود والاستجابة الموجبة، يعني يجب أن أستجيب لموضوع التصميم. إن لم أستجب في عملية الابتكار فسيقع عملية رفض. أشكال نمطية ضاربة في القدم، يعني نوع من الامتداد من الزمن الغابر إلى الزمن الحاضر. يعني هناك نوع من الإخراج المعاصر الذي يتناسب مع احتياجاتنا اليومية التي تتغير كل يوم. يعني من المستحيل أن تبقى الذات كما هي في كنهها. الذات كل يوم تتعلم الجديد وتريد وترتقي إلى جديد محدث. هي هوية حضارية في نفس الوقت، فهي الشعور القومي والوطني في نفس الوقت. إذن نحن لا يضيق بحدود جغرافية هذه الهوية، خاصة الهوية المعاصرة بالنسبة للابتكار. فنحن نخرج من كل ما هو معهود، من كل ما هو تقليدي، وشيئا فشيئا نحاول أن ننطلق في بحوث جديدة ومقاربات جديدة متطورة. لا يضج بمضارب سياسية، لأنها الهوية لا علاقة لها بالسياسة، هي تنتمي إلى السياسة بعقود اتفاقية زمنية ثم تمر في حال سبيلها. إذن نحن نؤسس نوعا من الجوهر المتماسك الذي لا يتعالى على التقاسيم العقائدية. في بعض الأحيان نحن نقبل اختلاف بعضنا البعض حتى عقائديا لكي يتماسك المجتمع، لكن هذا المجتمع الذي هوياته المختلفة على اختلاف اجتماعاتها، أن نحفظ العتيق، أن نغير التراث، أن نحدث في التراث أمرا معاصرا ومحدثا، فإننا نتقدم شيئا فشيئا من ذات قديمة عتيقة إلى ذات محدثة. لا تخلوا متماسكاته بالمداخلات اللغوية. يعني هناك ما أسميته وما أسماه عديد الباحثين بالحل والترحال بين المتداول والمحدث. يعني أن أكون قد تداولت الأمر، قد تداولت موضوعاً للتصميم تقليدياً، ثم انتقلت شيئاً فشيئاً إلى مواضيع تصميم محدثة. يقول رحومة محمد علي، لأنني مغرمة بهذا الرجل،
يحاول فيها الكل أن يصنع كينونته حقيقة. نحن في عملية التصميم نبحث عن كينونتنا، نبحث عن هويتنا، نبحث عن شخصيتنا، نبحث عن تصميم يتجاوب مع مستحقاتنا. إذن النصاب في الصياغة، هذه المعرفة الجلية للهوية، يعني المصمم إن كان لا يدرك هويته الذاتية وهوية الآخر الذي يتحدث معه والذي يتفاعل معه، فإنه حقيقة لا يستطيع أن يصمم موضوعا للتصميم. بمعنى أنه لكي ينجح في عملية التصميم، لكي يستطيع أن يثبت كل الأهداف، أهداف التصميم، يجب أن يكون له معرفة جلية بالهوية. النصاب يقول معروف هذا معناها حتى بجميع اللغات، يضرب النصاب في الصياغة، يعني أن يحقق عملية صياغية قابلة للاستهداف، يعني أن الجمهور المتقبل قابل أن يستقبل هذه العملية التصميمية بكل أريحية. عملية ميتافيزيقية هي نوع من التنظير العقلي، نحن نشتغل في التصميم من التنظير العقلي الميتافيزيقي إلى كيف يتقبل المتقبل أو المستهلك العادي أو الحريف إن صح التعبير هذا موضوع التصميم. إذن نحن ننظر له عقليا عبر تنظير افتراضي، عبر تنظير رقمي، عبر اقتراح بعض النماذج، بعض الأمثلة، لكي يكون هذا المصمم قابل لتقبل موضوع التصميم. ثم هي صور من المتخيل الذاكري. هل نستطيع أن نصمم دون تخيل متخيل ذاكري؟ كل التصاميم هي أساساً مستقيمة وقائمة على المتخيل الذاكري، يعني على الصور السبقية، على ذاكرتنا، على تاريخنا، على ما تعودنا عليه. لكن في الابتكار نحن ننطلق من التقليدي بطبيعة الحال إلى عملية الابتكار المستقبلية. يقول هايدغر: الخيال الابتكاري له مرجع ميتافيزيقي يعبر عنه بذاتية الشعور الزمني، وهذا ما يمكن الابتكار من التوقف، من التموقع عمليا. أننا لا نؤسس العالم إلا إذا سبق وأن تفاعلنا معه، يعني نحن لا نستطيع أن نصمم رؤية في التصميم إلا إذا ما تفاعلنا مع العالم. ما معنى أن نتفاعل مع العالم؟ هو أن ندرس هذا الخط الأفقي الزمني من الماضي إلى الحاضر إلى متطلبات المستقبل أو ما نريد أن نصب أو ما نصب إليه. إذن الميزات الكاشفة للهوية، هناك مرجعيات ذاكرية أسبقية ثم مرجعيات ذاكرية مستقبلية، هناك مستوى عمودي للتفكير. فالهوية هي مفهوم نسبي. ما معنى نسبي؟ يتغير كل يوم. اليوم أريد موضوعاً للتصميم، غدا سأرفضه. اليوم أشتري قارورة ماء، غدا سأرفض هذا النوع. اليوم أشتري دراجة، غدا سأشتري نوعاً مغايراً. يعني حتى احتياجاتي الوظيفية هي تتغير كل يوم، وهذا ما يتبع ثقافتي، اطلاعي على الموضة، اطلاعي على أنواع التصميم المعاصر، على كل ما هو محدث. يعني أن الأمور تتطور بشكل دائم، فالهوية تبقى في التصميم هوية نسبية. إذن في المستوى الأفقي، كل المفردات الاجتماعية والنفسية والثقافية التي تدور حول المستهلك وحول المصمم الذي هو في نفس الوقت مستهلك لموضوع التصميم. إذن دانييل باروشيا يقول إن علاقتنا بالعالم بوصفها علاقة فينومولوجية بالأشياء ذاتها مشروطة بصورة أساسية بالتكنولوجيا. مرحبا سي حمادي. أي هذا حل ركب أستاذنا فيجب أن نرحب به. دانييل باروشيا إن علاقتنا بالعالم بوصفها علاقة فينومولوجية بالأشياء ذاتها هي مشروطة بصورة أساسية بالتكنولوجيا، ولقد كانت كذلك على الدوام. يعني أن نصمم هو أن يتطور موضوع التصميم في مخيلتنا، لكن في نفس الوقت نحن نتطور لكن نحاول أن نتقدم شيئا فشيئا. إذن المصمم
هو هذا الهو ما اسماه الفلاسفة بالهو بالنسبة للقراءة الفلسفية للهوية. إذن يدرك المصمم ذاته انطلاقا من الذات، بطانة الذات يعني داخلية الذات باطنه، وينطلق إلى هوية شخصانية وحدانية، ثم تنطلق إلى شخصية جماعية، يعني نحن لا نتعايش إلا مع الآخر. وبذلك في الابتكار تعاد هيكلة الهوية من جديد، يعني يجب أن ندرس كل ما هو أفقي ثقافي نفسي اجتماعي، وفي نفس الوقت يجب أن نقرأ ما كل ما هو زمني، يعني ماضي وحاضر ومستقبل. إذن يدرك المصمم دائما هذه الآخر، هذه الذات المتجددة، هو نوع من الهوية الاجتماعية، الآخر الكامن فيه. إذن رولان بارث يقول هناك نوع من الفاعلية الجماعية، يعني أن ننطلق من الذات نحو الآخر في تفاعل جماعي. سولدرج ديك يقول الوضع الأساسي ذاته للكائن الإنساني الذي يحمل اسم كينونة في العالم ويتميز بوصفه الوقوف خارجا ضمن فسحة الكينونة، يؤلف ثمرة إنتاج ما بالمعنى الأصلي للكلمة. إذن هناك محورين أساسيين بعد أن أكملنا عملية تفسير المفاهيم. المحور الأول هو التوازن ما بين الهوية والابتكار، بمعنى إذن الإبداع أو الابتكار، وهما مفردين متوازيين في اللغة العربية، من ذات المفردة التي تنطلق لتثبت ذاتها، لتثبت كيانها، لتثبت تواجدها عبر التواصل، يعني عبر الرسالة الاتصالية. والرسالة الاتصالية في موضوعنا اليوم هي موضوع التصميم بالأساس. إذن انطلقنا من صياغة ذاتية شعورية فردانية نفسية وحاجيات ورغبات، من ثبات الهوية إلى وضعية اجتماعية مشتركة وثقافة متداولة للمحدثات المنظورية، يعني كل ما هو محدث منظوريا، المنظور هو لوريزون، معناها حاولنا أن نتفاعل مع كل ما هو منظوري، يعني نوتر بيرسبكتيف، احنا نحاول أن نتطور فيها، نحاول أن نتفاعل معها بطريقة خيرتنا، طريقة لباسنا، طريقة تعاملنا مع المجتمع، طريقة ظهورنا في المجتمع. وهذا بالأساس موضوع التصميم إذا تحدثنا عن تصميم المنتج، تصميم الفضاء وتصميم الصورة على السواء. إذن من ظاهري سطحي عمومي إلى تشكيل جماعي مشترك. إذن التصميم هو صانع محتكر لهوية متجددة، هذه الهوية التي تتغير، أصبحت تتغير كل يوم. الحرفي التقليدي كان تابعاً لنظام تقليدي نمطي متماسك، نوعاً ما هناك تقليدية، هناك قواعد تكنولوجية نوعاً ما محدودة. إذن هو يحاول أن يقوم في سياق معين ثابت، يتقارب الاستخدامي، يعني ليس هناك إحداث كبير في الصناعات التقليدية وفي الحرفية، يتجاوز الأعمال في أغلبها منحصرة نوعاً ما بضيق المعرفة، بنقص في التكنولوجيا، في قلة في الأساليب. إذن هو يحافظ على نوع من الروتين والرتابة حفظاً لهذا التقليد، لهذه النمطية التي تعود عليها الحرفي وتعود عليها المستهلك، لأنه هو في الأساس المستهلك هو الذي يفرض على الحرفي أن يبقى في هذه التقليدية المعهودة. لذا نرى الابتكار متوازن تماماً في عملية الهوية، في حضور الهوية. بالنسبة للمصمم المعاصر، هو نفسيته قابلة للتداول، يعني لأن يتعامل مع الآخر بشكل محدث، أن يدرس حتى حاجاته الاستثنائية. نلاحظ أننا في عديد مواضيع التصميم هناك حاجيات استثنائية لنا، رغم أن لدينا حاجيات استثنائية، فإن عديد المصممين يشتغلون على هذه المواضيع الاستثنائية ولقيت رواجاً كبيراً فيما بعد وأصبحت موضوعاً ذو قيمة. إذن التصور التطور الاستخدامي، الاحتياجات أصبحت تتغير كل يوم، يعني احنا كل يوم أصبحنا نرى أن التصميم يأخذ منهجا جديدا. في بعض الأحيان هو تصميم تجريبي، في بعض الأحيان هو تصميم استخدامي، في بعض الأحيان هو اجتماعي أو فضائي، يعني كل يوم هو يتغير وينتقل من حال إلى حال. إذن الاحتياجات تتغير كل يوم، ومتغيرات الحاجة وفرضيات الجماليات والاستيتيقية كذلك تتطور دائما. إذن التصميم صانع
محتكر لهوية متجددة من التبعية إلى التجديد؟ هل أننا جزء من العالم أم هل أن العالم يحتوينا؟ إذا نتقدم من صيرورة تثبت الانتماء، يعني نحن نتخلى شيئا فشيئا عن انتمائنا وهويتنا نحو ابتكار سنراه في آخر المحاضرة، نحو ابتكار عالمي، نحو هوية سيد الجميع العالمي الذي يخرج تماما من واقعنا الذاتي والشخصي نحو العالمية. إذا صيرورة تثبت انتماءنا، يقول ستيفان فيال إن الوجود أو الكينونة في العالم تقتضي أن يملك العالم صورة يمكنها أن تجعلنا نكون. سلوت درايك يقول لك الكرة هي عالم مهيئ من قبل سكانه، يعني نحن المصممون نشكل العالم، نشكل تصورنا للعالم، هذا التصور الذي يصبح مبتكرا ومحدثا كل يوم، وبالتالي فإنه يؤثر على الهوية ويؤثر على قابليتنا للأشياء ويؤثر حتى في طريقة اختيارنا للمواضيع. إذا ما بين مرجعين قديم وبين حاضر آني ومستقبل مأمول، هناك ما بين الباطن والظاهر، يعني باطن الذات واختياراتها الشخصية، وما بين الظاهر ما نراه في الموضة المعاصرة، ما نراه في المحدثات التي تقوم بها الجماعة، ما بين الفردي الخاص والجماعي. نحن ننتقل في كل القياسات الحسابية، ننتقل إلى دمج كل ما هو مأثور بالتجديد، يعني هناك بعض المحاولات لنجدد القديم. إذا احتمال الممكن المنطقي، يعني هناك نوع من التجدد الثوري. إذا كل من كانت، يقول ستيفان فيال، كل من كانت مهنتهم التصميم والتكوين فهم يتحملون المسؤولية الكبرى، إنهم يساهمون مباشرة في تكوين فلكنا الوجود مصمما كعالم خاص، يعني نحن نصمم العالم من حولنا. إذا كان طبعا إذا كان هناك نوع من التفاعل، إذا لم يكن هناك نوع من التفاعل فإننا نحن خارج الكينونة وخارج الهوية، يعني هناك هذا البحث ما بين الزمني. إذا ما معنى أن نبتكر لها وجها جديدا لمساحة حضورنا الوجودية؟ أن نبتكر من تنافر حصري مع بعض الحالات الشاذة، ننطلق من تأثيرات تيارات فنية، ننطلق من تشابه مع الآخر، ننطلق من تقارب بعض الرؤى حتى المتضاربة، يعني في بعض الأحيان المجتمعات الأوروبية تختلف عنا في بعض التقاليد، نستطيع أن نتبناها لكن بطريقة تتماشى مع تقاليدنا وجانبنا الخاص. آلان فاندلي يقول ليست فعالية التصميم الفني إذا سمة عرضية لطبيعته الظاهرية التقنية، بل هي سمة لثقافته الإبداعية. إذا سنبدأ في بعض المشاريع التي ستفسر هذه النظرية، نظرية التوازن ما بين الابتكار والهوية، في هذا المشروع، مشروع أطفال السكر سنة 2008، وهو مكب فضلات جارديم غارماتشو، استغرق العمل 3 أشهر، هو مكب فضلات في البرازيل في سنة 2008، اختار الفوتوغراف أن يجمع هذه الفضلات وأن يعطي للأطفال الذين يقتاتون من هذه الفضلات ويعيشون من أجل برنامج سيبث على الجزيرة اسمه ويستلاند، فيلم الجزيرة الضائعة، واقتطفت هذه الصور وباع أحد الأعمال ب64,000 دولار وأعطى عائدات المبيعات كلها للعمال هنا. إذن سنرى هذه الأعمال. هذه جيسي ماجنا، هو عندما نقترب قليلا من الصور، أنا حاولت تكبير الصور أقصى ما يمكن. جيسي ماجنا كلها مشتغل، هو عمل فني كله مستعمل ومستخدم من الفضلات، لكن في نفس الوقت هناك محافظة على الهوية البرازيلية، على الشخصيات التي تعيش هناك، على طبيعته. مارتا سيباستياو، إيرما، هذا من أشهر اللوحات الفنية التي صورت هناك. امرأة تكوي إيزيس، يعني نلاحظ أن كل البناء الابتكاري هنا يرسم الهوية، يعني ليس هناك خروج عن الهوية البرازيلية، عن هوية الأشخاص الذين يعيشون في مصب الفضلات هناك في البرازيل، وحاول أقصى جهده أن يحافظ على الهوية، يعني حاول أن لا يتنازل عن صورة الشخصيات، وحاول أن يصور هذا الواقع المرير وحياتهم في مصب الفضلات.
إذن التضاؤل بين الابتكار والهوية، ما معنى أن يتضاءل الابتكار؟ يعني أن تتدرج عملية الهوية بدرجات أقل جدا، وهذا مثبت في الصناعات التقليدية في بدايتها، يعني أن نحافظ على نفس المرجعيات الثقافية، أن نعطي للهوية أكثر حضورا ليس استثنائي بل حضور يتبع الهوية الأصلية للأشخاص. يعني نفس الشحنات، نفس المقاربات الخطية، نلاحظ مثلا في الصناعات التقليدية عدد من الألوان هي تتضاءل ابتكاريا، ليس هناك فيها مجهود وليس هناك فيها عملية ابتكار هامة، لذا فهي قارة نوعا ما غير متغيرة، نمطية، ما تسمى بالنمطية، وتتورط في زمنية ثابتة، يعني لا تتغير بسهولة. يقول عنها الصارجي: لذا لا يستطيع الإنسان أن يبقى مغلقا على ذاته. وهي الصناعات التقليدية نوعا ما هي نوعا من الانغلاق على الذات، وجاء التصميم ليفتح إمكانيات الابتكار ونخرج عن هذا الانغلاق عن الذات، يستخرج منها كل شيء، لأنه لا يتغذى من ذاته فحسب، إنما يتسامى جزءا من الطبيعة يرتبط بحاجة داخلية حتى ينتسب إلى العالم. هنا سنقدم نموذج القفة التقليدية ودرجات الابتكار. يعني هناك درجة الابتكار الضئيلة، درجة ابتكار متوسطة، عالية، ثم جودة ابتكار عالية، بمعنى أنه موضوع تصميم أساسي، هو موضوع للتصميم، لكن درجة الابتكار فيها تتطور شيئا فشيئا بطريقة محكمة لكي تستوعب أكثر هويات وأكثر أشخاص وأكثر تقبلية. إذن هنا من الزمنية القديمة إلى الحاضر المعاصر، ثم الصياغة تتقدم شكلا ولونا، وبعض الإكسسوارات تدخل وتضاف لتنقح هذا الموضوع، إبداعات مفعمة بالموضة والمعاصرة، تغير تماما وجه استقبال الموضوع، لم يعد موضوعا من فقط هو منتج للعائلة، فأصبح منتج للمرأة ولعديد الفئات الأخرى المستهلكة. ثم يخرج المنتج من ضيق مسرحته، معنى المسرح التناول العائلي إلى التناول الاستهلاك والزينة. إذن هو منتج أصبح وظيفي، جمالي واستيتيقي، ذو درجة ابتكار عالية شيئا فشيئا، ويتطور على مستوى أفقي وزمني. يعني هو يأخذ من نفسية الأشخاص الذين يستعملون، طريقة استعمالهم للمواضيع وطلباتهم، الألوان وتغيير الألوان، وكذلك يصبح فنيا وأكثر تلاؤم مع الواقع الفني، يعني أن يتطور فنيا، حسن تطوير الوظائف الاستخدامية وتغيير كذلك الجهة المستخدمة. إذن الأهم أن الابتكار في هذا المحور هو متزامن مع ذاته، حفظ ضوابط المعيارية بخطوات جريدة حول نحو عولمة الأسواق. يعني موضوع الابتكار في الصناعات التقليدية هو يخرج من النمطية التقليدية الزمنية، ثم يتطور بالابتكار شيئا في شيئا نحو عولمة الأسواق. يعني هنا الهوية تتدرج شيئا فشيئا من الذات الخاصة إلى الذات العالمية. إذن إمكانيات أوسع، نتحرك من الأنا الخصوصي إلى الآخر الممتد خارج الحدود الجغرافية، ننطلق من الشخص المحوري إلى الجماعي، ثم من زمننا الخاص إلى الزمن المشترك. ماذا يقول بيركسون في قوله: ينفر العقل من كل شيء سيال ويجمد كل ما يتناوله، ونحن لا نفكر في الزمان الحقيقي بل نحيا فيه. هذه الحياة هي فعلا هدف التصميم، أن تحيا بالانتقال من زمن إلى زمن، من زمن قديم إلى زمن حاضر، ومنه إلى المستقبل. إذن هذا التضاؤل في الابتكار وفي التحول وفي النمطية، باعتبار أن النمطية تفرض علينا نوعا ما عددا من القواعد المعيارية للانضباط بتقليد معين، بكلاسيكية معينة، حتى بالنسبة للجمهور المتقبل فإنه يفرض علينا هذه درجة التضاؤل في الابتكار. إذن نحن نعمل العقل في كل ما هو جديد ومبهر، ثم نتحول من فحوى محدث إلى بما هو لما هو كلاسيكي، ونتجاوز النمطي. إذن هذه الحملة
حملة الأنفاس المنعشة هي حملة لقيت رواجا كبيرا في ذات أصول جرمانية. هو أسلوب طريف، أسلوب ساخر، هو منتج يتحدث منتج حول أنفاس، يعني هو مقاربة ما بين فم الإنسان الشخصية ثم فم الحيوان. لهذا المنتج أساسا هو لانتعاش رائحة فم الكلاب، حشر متصنتين الكل. هذا هو المنتج. إذا هذا المنتج هو نوعا ما صارت هذه المقاربة في نوعا ما نوع من الحفاظ على الهوية الأشخاص الذين قدموا المنتج. المصمم لم يرد أن يكون عالميا أو أن يخرج من ضيق الهوية الشخصية الجرمانية ذات الأصول الجرمانية في ألبستها، في مرجعياتها، في تقاسيمها، في ثقافتها، وحاول أن يحافظ على اللباس. ينفر العقل، يقول بيركسون في هذا، ينفر العقل من كل شيء سيال ويجمد كل ما يتناوله، ونحن لا نفكر إلا في الزمان الحقيقي. إذن هذه بعض الصور لنفس الحملة. نمر إلى الابتكار الذي ينفي موضوع الهوية، لأن الوقت لم يعد ممكنا. يعني مش حاول نصفع. إذن هناك التضارب. معنى التضارب أننا نرى التصميم ولا نستطيع أن نفهم مضمونه، نفهم محتواه، يعني بطلان المفهوم، غموض تام في العملية الاتصالية تصبح مشوهة، لا نستطيع أن نفهم لماذا؟ لأن درجة الابتكار في التصميم تجاوزت نوعا ما، وهذا أغلبه موجود، هو راه في المنتج كذلك في الفضاء وكذلك في تصميم الصورة، لكنني أعطيت بعض الأمثلة في تصميم الصورة. إذن نحن هنا لا نستطيع أن موضوع التصميم خارج السياق العام. السياق الخاص لم يعد ثابتا، نحن نريد أن نشتغل على أمر عالمي، أمر يخص الجميع، لا يهم سياق الأحداث ولا يهم زمنيته ولا يتهم الأبعاد. المفيد أننا مع موضوع تصميم عالمي بالأساس. إذن ليس هناك مفهوم، نحن نختلف، لا نحمل تشفيرا لمفهوم الانتماء، نفقد كل التقديرات الإدراكية ونعجز على استيعاب الفكرة الاتصالية. وهناك إذن هناك بعض المطارات مثلا والدراجات، هناك تشخيص لحاجيات الاستخدام اليومي الوظيفي، هناك تركيبة عامة ذات منافذ وتوزيعات أساسية. معناها أننا عندما نتجول في أحد مطارات العالم فإننا نجد نفسنا في نفس الفضاء بنفس المعايير الاستخدامية. هنا نوعا ما الابتكار هو متجاوز للمعهود. بعض المواضيع الأخرى مثل الملعقة أو السكين أو قارورة الماء هي تحافظ دائما على معياريتها، لا نستطيع أن نتجاوز ما نجده. إذن هناك الإدراك في مجمله يتطور، لا نستطيع أن نربط مع كل ما هو ذاتي، مع كل ما هو شخصي، بل نحن ننظر إلى العالم بشكل عالمي. إذن هذه الحملة محترفة للصندوق العالمي للطبيعة تحت عنوان ريو باندا غوريلا. إذن حضور وجودي بلا حدود، لا تستطيع أن تفهم السياق الهوياتي للعمل. هذا عمل في مجمله، سنرى الأعمال. Would you care more if it was a panda? هذا للحفاظ على الحيوانات وللحفاظ على البيئة، يعني هنا نوع من الدعوة إلى الحفاظ على الحيوانات والبيئة. غوريلا والسمك، معناها هذه المقاربة بين الغوريلا والسمك، وحيد القرن والسمك في نفس الوقت، محاولة للحفاظ على الحيوانات. هناك عدد من التشابه من الصور التي تقترب نوعا ما في الابتكار من الحيوان في دعوة للمحافظة على الحيوانات وحمايتها.
وحيد القرن الذي عرف عرف أنه نوع من العلاج لبعض الأمراض العقيمة يقول I am not medicine. I am not drug بالنسبة للنمر لست ظرفية. I am not attract بالنسبة للفيل لأنهم يقع استغلالهم خارج عن إمكانياتهم الشخصية. إذا هذه الرسائل كلها مستبطنة لمعاني وابتكار نوعا ما متطورة لا نستطيع أن نفهم الهوية بشكل يسير. هي الهوية لم تعد هوية تخص شعبا بعينه بل هي تخص العالم ككل. يعني هنا فما هناك محورية للعالم ككل من ناحية الذاتية وتناشد نوعا ما الرسائل العالمية، والإنسان يخرج من وجوده الشخصي نحو وجوده مع الآخر نحو رسائل اتصالية في الأغلب هي رسائل حملات تحسيسية. سنرى بعض الأمثلة. إذا هذا أوليف يارو توسكاني معروف جدا، اشتغل معروف بأب الصدمة الإعلانية، اشتغل مع بينيتون مدة 17 عملا في أعمال جريئة تحدث فيها عن الجنس، تحدث عنها هنا استقى من الهوية بعض السمات الخاصة، لكن في نفس الوقت تعالت ارتفعت المبيعات بنسبة 80% لكنه شيئا فشيئا تنازل عن الموضوع وانطلقت الأعمال، انتهت كل ما هو إشهار الصدمة انتهى في مدة التسعينيات وانتقلنا إلى مرحلة جديدة فيما بعد. إذا هذا بعض الأعمال لأوليفر توسكاني. تبقى الألبسة دائما هي ذاتها، المهم هو طريقة العرض وأسلوب الاتصال الذي يسجل حقيقة فارقة ومميزة. يعني اللباس يبقى هو نفسه لكن طريقة العرض يجب أن تكون صادمة بالنسبة للتوسكاني، لذا فهو يخرج بابتكاره عن المعهود لكنه يستقي في نفس الوقت عددا من الجنسيات، وهنا نرى طغيان الابتكار، الابتكار أصبح طاغيا بالهوية، يعني عكس التوازن الذي رأيناه في الجانب العالمي. هنا نرى هويات كثيرة، سنتقدم لرؤية بعض الهويات الأخرى. الهوية حاضرة في المفهوم، غائبة متخفية في الهدف الاتصالي، يعني نعرف نحن أنها جنسيات مختلفة لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن ندرك إلا أنه هوية عالمية. هو يتحدث عن إنسان سيد الجميع العالمي الذي لا يتصل بهوية خاصة ولا بذات فردية أحادية في ذاتها، بل هو يتكلم عن الكل لكن بطريقة استثنائية نوعا ما. إذا هنا آخر حملة بيرليتس أندونيسيا عام 2013، هذا مركز للغات يعبر عن أننا نستطيع أن نبني أو نكون شخصيات أخرى في داخلنا أو شخصيات أخرى ناطقة بلغة كأنه ناطق أصلي باللغة، ولذا نوعا ما أعطى عربي أمريكي أندوشيني. إذا حاول أن يعدد في عدد الصور، هو حافظ على الهويات على ظهور الهوية لكن في نفس الوقت هناك شخصية أصلية في ذاتنا لا نستطيع أن نتمرد عليها، يعني هناك تعريف بالهوية لكن في نفس الوقت في لغة نوعا ما عالمية، وهنا الابتكار يصل حده الأخير الطغيان، طغيان الهوية في الصورة في الاتصال السمعي البصري بطريقة نستطيع أن نتجرد من هويتنا لكن في نفس الوقت نحن نتحدث عن العالم ككل، ليس الإنسان في فرديته في ذاتيته في الشخصية فقط فحسب. كلها صور تعبر على تجربة اللغات في مدرسة بيرلتس تجعلنا نتحدث كمواطنين أصليين. إذا تطورت كل هذه السياقات الاتصالية لإحداث مفهوم عالمي وجماعي مشترك. إذا العالم هو ملك للجميع، الهوية بدأت تقليدية في كل ما هو متضائل، يعني بالنسبة للصناعات التقليدية عندما كان الابتكار له حدود، لكن شيئا فشيئا مع الحركة التجارية العالمية ابتدأت تتسع الهوية وبدأ الابتكار يخطو مراحل جدية إلى الأمام. إذا التصميم لم يعد فقط
تنشده الخاصة يعني من المقربين بل هو فعل عالمي. ثاني، سياقات الحركة الاتصالية تطورت عبر الطباعة، السمع البصري، الافتراضي، العالم أصبح قرية صغيرة، نحن نخرج من العالم بفضل الإنترنت، العالم جعلنا نتحدث مع الآخر، إذن لم نعد نستطيع الحراك داخل مجموعة موضوع التصميم إلا بالجوالين خارج هذه الحدود وليس داخل الحدود الجغرافية التي رسمتها الصناعات التقليدية بل خارج هذه الحدود الجغرافية نحو أمد متسع ومتواصل. ثم لم تعد الهوية أمرا منحصرا في سياق بعينه، الابتكار قد يتعارض مع الهوية، قد نستخدم الهوية من أجل التعبير عن الهوية العالمية سيد الجميع العالمي، قد نبقى دائما، لكن هناك نوعا من الغريزة في التصميم أن نبقى في ذواتنا، أن ندخل في عمق الذات الكامنة فينا، نخرج منها الهوية ونحاول أن نشتغل عليها أكثر فأكثر. لذا فإن الابتكار رغم تمرده على الهوية ورأينا عديد الأمثلة عبر البلدان فإنه رغم ذلك يبقى محافظاً على الهوية الشخصانية للأفراد والهوية الجماعية المشتركة للآخرين الذين من حوله واليوم الهوية العالمية التي هي متسعة. إذن هناك المتخفي في ذاته والظاهر المرئي المشترك، هو يتحاول أن يتواصل مع الآخر كما يتواصل مع ذاته، والمصمم أصبح لا يتعايش الآخر القريب بل يتعايش مع الآخر البعيد. وشكرا على المتابعة. شكرا أستاذة على هذه المحاضرة الثرية نوعها حول الابتكار ومفهوم الهوية، حول الصراع بين المفهومين، حول التصميم ودوره بين تضاءل الابتكار وطغيان الابتكار، وحول الهوية بينهما. شكرا على هذه المحاضرة مرة أخرى. نمر الآن إلى المتحدث القادم، بروفيسور سنة جمالي. Est-ce que vous êtes avec vous, جمالي؟ Sorry. Oui, bonjour. Bonjour madame. Bonjour tout le monde. Oui, je suis là. Alors, on va essayer de partager l'écran sur votre fichier comme demandé. Juste une seconde, s'il vous plaît. Ok, Madame Sanin, vous avez 20 Oui. minutes, la parole est à vous. Allez-y. Je vais présenter un PowerPoint, je pense. Je peux partager Oui, mon si écran. vous voulez partager votre écran, allez-y. Oui. J'ai préparé quand même très rapidement un PowerPoint, puisque Allez-y. je ne suis pas en Tunisie actuellement. Voilà, vous êtes en train de regarder mon Oui, PowerPoint ou non? c'est clair. Ok, parfait. Voilà. Je tiens à remercier tout d'abord les organisateurs pour ce colloque et cette belle thématique qui déjà fit le lien entre l'art et le design. Et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je remercie ma collègue Rim Zayani et ma collègue Mejda de m'avoir invité à ce colloque pour me donner l'occasion donc de raconter mon expérience qui donne l'histoire de cette transition et de ce passage entre l'art et le design pour mon cas.
Voilà. Je commence à donner une petite introduction avec tout d'abord, je vais parler de la céramique d'art, par la suite un dialogue entre l'art et le design, la démarche écologique et durable dans le design, l'utilisation de l'art à travers le design, et cinquièmement, l'aspect commercial de la transition de l'art au design et une conclusion à la fin. Donc voilà, je vais tout mettre. Donc une œuvre d'art, je vais me présenter tout d'abord. Je suis Sané Jamélia Améli, professeure à l'Institut supérieur des beaux-arts de Sousse. Je suis spécialiste en céramique d'art. Par la suite, j'ai préparé un doctorat à l'Université Paris 1. Et donc, je suis concentrée sur mon travail personnel. Et récemment, très intéressée donc de l'objet design et de la commercialisation donc des objets design effectués donc par la technique à travers la technique de la céramique. Donc, dans mon introduction, je vais accentuer l'idée de parler donc de la différence entre une œuvre d'art et un objet design. Une œuvre d'art est une création artistique ou esthétique, généralement conçue par un artiste. L'œuvre d'art permet l'expression donc des individus, offrant à l'artiste la possibilité de communiquer ses pensées, de partager des moments, des sentiments, des émotions avec les autres. C'est pourquoi une œuvre d'art, elle est unique. La céramique d'art est une forme de création artistique qui matérialise une idée spirituelle à travers l'argile qui est soumise à la chaleur et combinée avec différents pigments colorés, c'est-à-dire émaillés ou vernissés. La céramique d'art, pour moi, évoque des pièces qui sont faites à la main, ce qui est mon cas, par un artiste dans le but de s'exprimer. Le design, quant à lui, est un processus créatif pluridisciplinaire visant à adopter des solutions aux problématiques de tous les jours liées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le design contribue à l'amélioration des produits et des services. Ainsi, le design s'intéresse à la fonctionnalité et favorise l'innovation. Le but derrière mon intervention est de démontrer le passage de la céramique d'art vers le design que j'ai effectué lors de ma carrière afin de créer des objets du quotidien. Ce passage cherche à rendre l'art accessible, plus accessible à un public plus large. D'accord. Donc voilà, le premier chapitre qui est de la céramique d'art. Madame Sonnet, Depuis, oui. excusez-moi, les diapositives ne défilent pas. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, partager la totalité de votre écran? OK. C'est bon comme ça? Non, c'est toujours sur la toute première diapositive. Si vous voulez arrêter le partage et essayer de repartager sur la totalité de votre écran. Voilà, C'est ça bon? défile. Oui, c'est très bon. Okay. OK. Donc voilà quelques exemples de mes travaux. Donc depuis des années, je pratique de la céramique d'art. Mon travail consiste à créer des panneaux muraux et des statuettes variées.
prenant la forme des têtes aux bouches grandes ouvertes. Donc, je suis connue avec les têtes, avec des bouches grandes ouvertes. Ces expressions variées illustrent donc les déclinaisons et la conjugaison de vives émotions. Mon œuvre succède dans des contextes différents, orientant la réflexion artistique vers l'expression, d'idées nouvelles. Dans mon atelier, je déforme volontairement ces visages avec une bouche grande ouverte, peut-être pour crier de colère et de douleur, ou de joie et de bonheur. Lors des expositions, chacun peut interpréter ces fascinantes têtes à sa propre manière. L'imagination libre s'empare de l'œuvre, la transformant en message, en discours ou même en rêve. Guidée par ma passion, mes mains et mes doigts maîtrisent divers matériaux, argile, émail, bois, métal, etc. Donc, mes créations de céramique exposées dans des galeries d'art comprenant des panneaux composés et non composés, de couleurs pigmentaires variées, enrichies de hauts et de bas-reliefs, et agrémentées donc, de fils métalliques des fois, et qui renvoient au thème toujours du cri. Je souhaite que les visiteurs ressentent cette émotion, expriment leur avis. L'espace d'exposition devient hallucinant, mais concret, offrant un lieu pour magnifier, célébrer, partager, enrichir nos échanges culturels et sentimentaux. Après 30 ans de carrière de céramiste, mon travail sur la déformation avec des couleurs ardentes se concentre sur l'expression et les vives émotions à travers ces bouches grimaçantes. Je mène une recherche sur le cri pendant des années. Voilà pourquoi j'invite les gens à regarder. Chaque observateur projette son propre univers, crée une interaction empirique avec l'œuvre, provoquant une réflexion, une réflexion sur l'existence même. L'ensemble de mes créations reflète des intentions personnelles. Représente aussi le fruit d'une longue pratique du modelage, d'émaillage et d'exposition. J'aime bien passer à la page suivante. Pourquoi ça marche pas? Ok, ça marche. Donc voilà quelques autres travaux, là où je manie plusieurs matériaux à la fois. Je vais passer deuxièmement au dialogue entre l'art et le design. La transition de la céramique d'art au design représente un nouveau chapitre dans ma carrière. En tant qu'artiste, j'ai toujours cherché à repousser les limites de l'expression artistique. Le design, ici, avec son approche pluridisciplinaire, est orienté vers la résolution de problèmes, offre une nouvelle plateforme pour mes créations. Il permet d'intégrer mes compétences artistiques dans des objets du quotidien, tels que les bijoux, qui rendent ainsi l'art plus accessible à un plus large public. Donc voilà quelques exemples de mes créations de bijoux. Je faisais des bagues et je faisais des broches en céramique et je cherche à les vendre avec tout d'abord mon entourage, mais ça s'élargit petit à petit, ça devient donc une marque déposée, Sanja, et qui cherche à la commercialiser donc partout. La fusion de l'art et du design offre pour moi la possibilité de créer des objets fonctionnels. C'est pas comme avant, c'est pas une œuvre d'art qui cherche à donner un discours ou à donner donc une idée à passer donc un message pour les autres, qui conserve une forte valeur esthétique. Ces bijoux, ils conservent une valeur esthétique. Par exemple, en transformant mes sculptures en objets décoratifs ou en bijoux, je peux apporter une touche artistique unique à des éléments de la vie quotidienne. Donc, il y a le côté artistique qui est conservé dans ces petits objets. Donc design, mais il y a aussi cet objectif donc de l'objet design qui veut être fonctionnel, qui veut être donc qui veut être fonctionnel, voilà.
Voilà. Cette approche permet de démocratiser l'art en le sortant des galeries, en l'intégrant dans des foyers et en touchant le maximum des individus. Pour la démarche écologique et durable dans le design, dans ma pratique de céramique et du design, j'accorde une grande importance à l'éco-conception. L'utilisation de matériaux durables et recyclés est essentielle pour réduire l'impact environnemental de mes créations. L'argile elle-même, lorsqu'elle est extraite de manière responsable, est un matériau naturellement renouvelable. En intégrant des éléments recyclés tels que des fragments de céramique ou des perles récupérées, je donne une nouvelle vie à des matériaux autrement destinés aux déchets. Voilà quelques exemples, donc, des étapes du travail. Je travaille essentiellement à la main. J'utilise des outils. Je mets toujours donc le cachet de ma marque Sanja et j'essaye donc de varier dans les formes, de s'inspirer bien sûr du patrimoine tunisien, de la symbolique de l'œil et la symbolique du poisson, la sardine, puisque je suis originaire de Mehdia. Et donc j'essaye de créer donc des objets fonctionnels qui peuvent donc servir aux gens donc de ma société. Voilà. Quelques exemples donc de colliers, de porte-clés, quelques mélanges donc de matériaux, la céramique un peu mélangée avec les perles, les fils. L'utilisation donc de l'art à travers le design. Le design permet de transformer l'art en objet du quotidien, rendant ainsi l'esthétique accessible et pratique dans notre vie de tous les jours. En intégrant des éléments artistiques dans des objets fonctionnels comme des meubles, des luminaires, des ustensiles de cuisine et des textiles, le design enrichit notre environnement de beauté et de créativité. Par exemple, une sculpture en céramique peut devenir un panneau mural artistique ou un collier très élégant qui peut se métamorphoser en porte-clés fonctionnel. Cette fusion de l'art et de la fonctionnalité permet non seulement de démocratiser l'accès à l'art, mais aussi d'améliorer notre qualité de vie. Chaque objet ainsi conçu raconte une histoire et invite à une expérience esthétique, même dans les activités les plus banales du quotidien. Ici, je parle donc de la symbolique du poisson en Tunisie, la symbolique de l'œil. Et donc, il y a toujours un petit discours à raconter. Il y a quelques détails qui sont très importants liés donc à ma ville d'origine donc de Mehdia, qui est donc existant, qui est toujours présent dans mon objet donc design. Ainsi, le design rend l'art non seulement visible, mais également utile, apportant une dimension artistique et émotionnelle aux objets que nous utilisons tous les jours. Cette idée de démocratisation de l'art résonne avec le mouvement Bauhaus, un mouvement artistique fondé en Allemagne pendant les années 1920 par des artistes de gauche et communistes. Ces artistes avaient l'intention de produire un art qui serve les masses, un art fonctionnel, mais en même temps esthétique. Je cite, au moment où 1919, Walter Gropius, sur la recommandation de l'architecte belge Henri Van de Velde, prend la direction d'une nouvelle école appelée Bauhaus à Weimar et conçue pour être une école à la fois des beaux-arts et des arts appliqués. L'opposition de l'art aux techniques est vécue comme une violente contradiction. Donc, c'est une citation de Eric Rubercy, donc de l'ouvrage Le Bauhaus, l'unité nouvelle de l'art des techniques. Le Bauhaus a historiquement mis en avant l'importance de l'intégration
de l'art dans le design fonctionnel, soulignant que l'esthétique ne devait pas être sacrifiée au profit de l'utilité, mais pouvait en être un complément essentiel. Ce principe continue de guider de nombreux designers aujourd'hui qui voient dans chaque objet une opportunité de combiner beauté et fonctionnalité pour enrichir la vie quotidienne. Donc, l'aspect commercial et la transition de l'art au design. La transition de l'art au design comporte également un aspect commercial significatif. En transformant des œuvres d'art en produits design, les artistes et les designers peuvent atteindre un marché plus vaste et plus diversifié. Ici, je parle donc de la différence entre l'art, l'œuvre d'art, et le design et l'objet design. Donc, le marché de l'art, surtout donc l'exemple qui existe en Tunisie, le marché de l'art, et donc le design en Tunisie, donc l'expérience de la commercialisation que j'ai vécue donc à travers la vente de mes propres bijoux. Les objets de design, par leur nature fonctionnelle, trouvent leur place dans des foyers, des bureaux, des espaces publics, ce qui augmente leur visibilité et leur accessibilité. Cette démarche permet aux artistes de générer des revenus supplémentaires tout en diffusant leur travail à une échelle plus large. Les collaborations avec les marques établies comme celle de Basquiat, je retourne à l'exemple de Basquiat ici avec les photos, donc avec les baskets. Donc cette collaboration avec Reebok et Uniqlo sont un excellent exemple de la manière dont l'art peut être commercialisé sans perdre son essence. Ces partenariats stratégiques permettent de produire en série des articles inspirés donc de l'art, rendant les œuvres d'art célèbres, accessibles à des prix plus abordables. De plus, l'artiste contemporain Damien Hirst, connu pour ses œuvres provocatrices et souvent controversées, a également exploré le potentiel commercial de l'intégration de l'art dans des produits de design. Hirst a sorti sa propre collection de skateboards qui intègre ces motifs emblématiques tels que les papillons et les points de couleur. Ces collaborations en ligne, ces collaborations et donc ligne de produits permettant de rendre ces œuvres plus accessibles tout en servant leur impact visuel et conceptuel. Je conclus. Par ailleurs, le marché du design fonctionnel offre une flexibilité économique, contrairement à une œuvre d'art unique. Les objets de design peuvent être reproduits et distribués à grande échelle, ce qui réduit les coûts de production par unité et augmente les marges bénéficiaires. Les artistes et designers peuvent également explorer des modèles économiques variés, comme les éditions limitées et les séries spéciales, pour créer un sentiment d'exclusivité et attirer donc des collectionneurs. En fin de compte, cette commercialisation permet de pérenniser le travail des artistes en leur offrant des sources de revenus stables et récurrentes. Elle favorise également l'innovation et l'expérimentation en design, car les revenus générés permettent de financer de nouveaux projets créatifs. En conclusion, je peux dire que la transition de la céramique d'art au design ouvre un nouvel horizon où l'art devient plus accessible et fonctionnel, tout en conservant sa capacité à émouvoir et à provoquer donc la réflexion.
À travers mes créations, je cherche à établir un dialogue entre l'art et le public, à promouvoir une démarche écologique et durable, et à transmettre mon savoir-faire aux nouvelles générations. Cette évolution témoigne de la richesse et de la diversité de la céramique, en tant qu'art, ainsi que de son potentiel à s'intégrer harmonieusement dans le design contemporain. Partager mon savoir-faire avec les nouvelles générations est une dimension essentielle de ma pratique artistique. J'organise régulièrement des ateliers et des conférences pour initier les jeunes et les amateurs d'art à la céramique. Ces sessions offrent non seulement des compétences techniques, mais également une compréhension approfondie du processus créatif, de l'importance de l'expression personnelle dans l'art. L'enseignement de la céramique et du design permet également de sensibiliser à des valeurs importantes telles que la patience, la persévérance et l'importance du travail manuel. En partageant mon expérience et mes techniques, je souhaite inspirer une nouvelle génération d'artistes et de designers à explorer leur propre voie créative. En promouvant ces valeurs et en transmettant mes connaissances, je contribue à la préservation et au renouveau plutôt d'un art millénaire tout en encourageant une approche contemporaine et innovante donc du design. Voilà, je termine donc mon intervention pour partager donc cette expérience. Je suis un peu isolée pour un peu la rapidité. J'étais un peu pressée parce que j'étais à l'extérieur. J'ai fait un effort pour atteindre donc mon temps pour cette intervention. Voilà, je remercie tout le monde et j'aime bien, j'aurais aimé donc voir la réaction donc de tout le public qui est en train de m'entendre, mais je pense pas que je vais tarder après cette intervention. Je vais essayer donc de rester un tout petit peu, mais je m'excuse si je vais être donc. Merci, professeur Sané. C'était très intéressant comme intervention. Je vous remercie énormément pour votre temps. Nous aurions aimé que vous soyez avec nous aujourd'hui, mais vous êtes avec nous même par Zoom. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir parmi nous. Cette intervention était autour de votre propre expérience, une alliance entre l'art du céramique et les méthodes du design, surtout pour la commercialisation. Donc, je vous remercie énormément. Je remercie tous les intervenants, keynote speakers, qui nous ont présenté leur intervention très passionnante, très riche, très diversifiée d'ailleurs. J'ouvre donc le débat, 10 minutes, pour le public et pour les intervenants, pour nos invités, s'ils ont des questions à poser auprès de nos keynote speakers. Y a-t-il une question? Y a-t-il une intervention à poser pour nos keynote speakers. Pour nos invités en ligne, vous pouvez aussi écrire vos questions sur le chat et je vais essayer de les lire. Nos invités présents ici vous remercient énormément. Merci à vous.
Je pensais qu'il y avait un peu de questions, mais bon, puisque de toute façon, on est quand même à 13 h, donc j'imagine que tout le monde a faim. Ceci dit, juste pour clôturer, je trouve que c'est très, très, très intéressant aujourd'hui le débat autour de l'innovation à l'identité, notamment l'intervention de Madame Lim Zayeni, qui a été très, très riche par rapport à cette approche d'innovation identité. Bon, moi-même, j'ai réfléchi autour du design numérique et cette complexité identitaire qui me semble encore un terrain à exploiter justement pour tous les chercheurs. J'espère que c'était fort intéressant pour les invités qui sont présents. Sûrement, il y aura d'autres réflexions qui vont être riches autour de cette réflexion identité innovation, créativité. Je tiens aussi à remercier Madame Sanéjamelli d'avoir participé en ligne parce qu'elle a eu, malheureusement, elle n'était pas présente, elle est à l'étranger. Donc, je la remercie vivement quand même d'avoir pu assister et faire des échanges par rapport à son travail, ses œuvres. Je trouve très, très intéressant ce qu'elle fait et ça rapporte beaucoup de, comment dire, d'innovation à tout ce qui est rapport art et design. Donc, je trouve ça intéressant aussi. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'écouter et de réfléchir autour d'autres problématiques qui vont être présentées dans la session qui va suivre. Donc voilà, merci beaucoup, Mejd. Je vous en prie, merci beaucoup tout le monde. On va passer à la seconde session en guest speaker. Donc, merci encore à nos honorables keynote speakers pour leurs interventions. Merci Madame Lim Zayeni pour la richesse de cette intervention. Merci Madame Salmartata aussi pour tout ce qui est nouveauté et innovation. Je remercie le directeur Dominique Siama aussi pour son intervention et le rapport avec l'identité et l'innovation. Je vous remercie beaucoup, cher professeur Sené Gemelli. Ainsi, maintenant, on passe à la seconde session. Les guest speakers avec deux intervenants qui nous honorent par le partage de leur expérience professionnelle en étroite relation avec le concept de l'identité et de l'innovation. Et leur... Juste... On m'a 20 minutes, j'ose m'en parler. Donc, excusez-moi pour l'interruption. Donc, je continue. Je vous présente le premier intervenant, le doctorant Federico Bonelli. Vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. J'ai bien écouté juste maintenant. J'ai seulement que deux petits soucis. Je dois venir avec l'audio sur le téléphone parce que l'audio de mon ordinateur est cassé. Donc, je suis là. Bonne journée à tous. J'écoute ma voix sur l'ordinateur. C'est un peu... Nous vous écoutons bien, cher Federico Bonelli. J'avance un petit peu. L'intitulé de votre intervention, Identité en fusion vers une autre pédagogie de la complexité. Vous avez la parole. Et merci beaucoup. Je commence alors. Je pris des notes pour le lire parce que c'est beaucoup de temps que je ne réchauffe plus mon français. Donc, j'espère que j'aurai été compréhensible. Je vais vous parler d'un aspect que j'ai mis dans ma contribution écrite, qui est le grand jeu. C'est un jeu de table minimaliste et que je propose comme un instrument pour une pédagogie, pour une intervention d'éducation
nouvelle basée sur la complexité. Moi, mon activité, c'est une activité artistique. Je suis un artiste multimédial de beaucoup de temps, mais j'ai eu des expériences plusieurs dans des contextes d'innovation. Parce que le multimédia se vient attaché à l'innovation. En particulier, ce jeu est né d'une sollicitation sur un projet européen pour inventer de nouvelles façons de faire une explication entre la monnaie, l'essence de l'argent et la démocratie. Donc, merci à tous pour cette invitation qui me rend très, très heureux. Donc, je vais concentrer sur l'utilisation de ce jeu qui représente bien aussi ma vision et position philosophique à propos de l'identité. Ce que de la pédagogie qui répond à la demande qu'est-ce qu'il faut faire pour créer des citoyens et donc avoir de la démocratie. Et sur quelle méthodologie utiliser pour faire de l'innovation. Peut-être je peux faire une condivision rapide de mes slides ou autrement ce que mon visage. Je vais essayer de la faire sur l'ordinateur maudit. OK. Vous voyez? Bon. Oui, c'est J'espère que visible. oui. Bon. C'est pas beaucoup, c'est seulement que des photos du jeu, mais ça peut être utile pour rendre une idée de ce quoi. Alors. Alors, donc, le contexte du jeu sera utile pour faire du processus de design de conception multi-stakeholder. On le dit en anglais multi-stakeholder design processes. Comme il faut pour impliquer une communauté dans un process de co-design qui c'est pas très facile à faire. Je fais des exemples. Une communauté décidant de flux de valeur dans leur future collaboration, par exemple un groupe de producteurs locaux dans une éco-village, de partenaires dans un projet européen, ou des développeurs des outils informatiques et des clients analysant un projet open source complexe. L'open source augmente la complexité. Le jeu implique des participants dans une situation avec des dimensions comportementales, émotionnelles et cognitives. Jouer, ceux de mettre à feu une condition humaine particulière. Ça va retourner dans les observations philosophiques. Jouer ensemble est une situation conçue, semblable à un processus théâtral, où tous les composants ont une signification liée à la tâche du groupe. Imaginez le comme une forme de théâtre participatif avec de larges espaces d'improvisation guidée. Le grand jeu a été conçu pour moi-même, mais réalisé en 2006, 2016, lors d'une résistance d'artistes dans un squat à Milan, qui s'appelait Macao. J'ai partagé avec un groupe de faisant partie de l'organisation, de designers,
artistes comme moi, on a fait un groupe et on a commencé à jouer. La photo que vous voyez, c'est une photo de cet événement-là. Donc, il a été conçu pour faire du co-design avec un processus co-designé. Je dois beaucoup à ma co-autrice, Raffaella Rovida, qui a apporté le rigueur de son sens pratique. Elle est une ingénieure et a beaucoup aidé à rendre le processus transparent de conception de ce jeu. On a découvert qu'on a suivi l'exemple d'Elizabeth Phillips, qui a conçu The Landlord's Game, qui était aujourd'hui connu comme le nom de Monopoly. Quand je t'ai donné l'idée de faire trouver une explication, toi qui tu es artiste, tu dois trouver une explication que bien fait comprendre aux gens quelle est la différence entre démocratie et argent. Alors j'ai pensé très, très beaucoup et j'ai pensé il faut le faire jouer parce que moi j'apprends l'essence du capitalisme en jouant à Monopoly, que j'aime pas comme jeu. Alors je dis, on va faire un jeu qui apprend les gens l'essence de l'économie du futur, de l'économie possible. Et puis j'ai découvert que c'était aussi l'intention d'Elizabeth Phillips de faire ça. Et puis son jeu a été volé et changé. Donc, l'objectif du jeu, je vous fais voir. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une représentation d'un jeu qui a été joué en ligne pendant le COVID. On a cherché de créer les éléments du jeu, qui était un jeu de table que vous avez vu avant. On l'a créé dans une façon plus informatique avec l'utilisation, l'adaptation de Miro. Mais ça joue, on peut le jouer très bien seulement avec des choses qu'on a sur la table. Excusez-moi, Monsieur Oui. Bonelli, vous avez encore 2 minutes. OK, alors je vais vous dire que vous pouvez trouver toutes les règles du jeu sur le site internet. Je vous montre très vite une possibilité de jouer qu'on a trouvé récemment, c'est d'attacher le jeu aussi à des instruments de simulation numérique. C'est très important à dire que le jeu, c'est à des bonnes parties de jeu de rôle, parce que comme je dis dans mon contribution, c'est très important d'enlever un groupe de gens qui veulent participer à un co-design, enlever-les le lourd présence de leur status. On dit en anglais, it's better to think about the role and not the rank. Donc, un jeu de rôle vous permet de faire enlever les gens de son rôle, de son ego un peu. Une chose très importante qu'on ne dit pas comme il faut à vaincre dans ce jeu, parce que le but de le jeu, c'est de stimuler la discussion entre participants. Et comme vous voyez de la diapo, c'est possible après de construire de processus économiques qui peuvent être simulés dans une façon rigoureuse de l'information qu'on a prise comme ça. Bon, j'attends vos demandes. J'ai beaucoup écrit dans ma contribution. Vous pouvez la voir, la critiquer comme vous voulez. Il parle aussi de la situation comme
comme il faut travailler avec la situation pour l'éco-design, mais aussi, c'est très important pour moi, comment utiliser la friction, et sont où les méthodologies artistiques qui peuvent être utilisées très bien dans ce processus de conception, ouvert et démocratique de projet. Ce sont mes contacts. Si vous avez des questions, je suis très heureux de répondre. Je vous remercie, cher doctorant Federico Bonelli, pour la richesse de votre contribution et et la diffusion de votre expérience en tant que chef de projet. Monsieur Bonnet, il nous a exposé sa perspective sur l'intersection de l'art, la société et la technologie en étroite liaison avec la complexité de la réflexion. À travers les outils de réflexion participative comme le grand jeu, il nous démontre que le facteur d'incertitude, de friction deviennent des ressources inestimables pour la genèse d'idées et des solutions innovatives. Donc, un croisement qui certainement donne lieu à des échanges d'idées intéressantes et fertiles pour la recherche. Alors, Monsieur Bonelli, merci encore une fois. Je vous invite à rester pour le débat vers la fin de cette session guest speaker. Entre-temps, nous avons une pause de 30 minutes. Nous revenons exactement vers 13h45 pour accueillir notre second intervenant guest speaker, Monsieur Bilal Bali, et enchaîner directement le reste des sessions. Merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup pour votre attente. À tout à l'heure.